Ok, alors l'OTK Live va pas tarder à commencer. Le rec qui fonctionne bien, ça a pas coupé, j'ai pas de double king de merde. Tout va bien. Blablabla. Alors qu'est-ce qu'on aura de beau là? Il y a du monde aujourd'hui. Hein? Un, deux, trois, quatre, cinq. Il était censé y avoir 6, mais apparemment il s'est passé un petit truc. Oh, j'ai pas eu les messages. Dix ou sept. À peu près 6 ou 7 personnes là. Pour ce soir. Sachant qu'on voit Raka, Big Ben, David Mitri, Doc et Marty Core sur Chanel. Ça du. On va aller les rejoindre. Tant pis, je voulais savoir, au fait, ce soir, avant que tout le monde commence, ceux qui viennent à la maison, qui ramène quelque chose? C'est pour moi savoir... Pour, ouais, mais vous ramenez quoi pour moi savoir qu'est-ce que vous allez... Pour voir, parce que, justement... Mais sur du privé, là. Hein? Dégage! Ok. C'est pour moi savoir ce que je dois acheter, ce que je dois pas acheter. Faut qu'on voie ça, on tire ça. Tu me dis quoi, ok? Yosh. À la valise. Moi je joue pas, monsieur. Il joue pas. Ouais, parce que sinon on est chiffre impair. Ok. Mais si cette personne. Moi je quitte. Marty Core contre Dog, Marty Core qui part sur son net dish. Bah Kay il a dit qu'il va peut-être jouer. Ouais mais après enfin qui j'espère qu'il va pas. On est à 2 minutes. Oui mais qui est arrivé là voilà. On est à 2 minutes du lancement j'ai envie de dire. Je vais demander s'il machine ou pas. Levioso. J'envoie au cimetière. Vas-y, fais-toi plaisir. Pourquoi il met ça au joueur Kay? De quoi? Au revoir Wassim là. Et revient pas. Parce qu'il a fait ne reviens pas, c'est à t'appeler Corona. En gros, le mec il fait troll sur troll et ça lui a pas plu, il l'a dégagé. En fait, à chaque fois, il dit je in, il fait non, j'ai top chef. La semaine dernière, je in, top non, il y a encore top chef. Et là, c'était son ordinateur. Et là, ça, il fait je in, ah non, je peux pas, mon PC est cassé. 3 semaines, il fait ça. Dans 1 minute, ça commence, les gars, quittez. Ouais. En fait, je voulais juste le dire moi aussi, mais en privé pour éviter justement. C'est pas grave. Au moins, j'ai ma réponse. Ne reviens pas, t'es à 30 tours. Avant de commencer, je vais faire mélanger mes decks. Je vais me désinscrire pour ce soir, Ratatos. What? Encore? Eh bah c'est bon, je prends la place. Momo, mélanger. Bah je joue! Pourquoi? Bah je prends la place de Ratatos. Qui vient lui aussi de ce... Bon je joue, moi j'ai droit. Okay. On ricalco, s'il joue pas, ça on s'en fout. Allez, c'est parti, bracket lancé. C'est une attends, je suis une inscription, c'est un. Non, pas encore. Et je rencontre dernière minute, attends. Pauvre. Dernière minute, au moins il m'a prévenu à la dernière minute. Il m'a prévenu à 20h59. Une minute de plus. La dernière seconde. T'avais une minute pour régler ce problème, pas, Doc. Tu t'attrapes le corona. Non, ne reviens pas.
Je crois qu'on a 3 ou 4 bouteilles à la maison en plus. Voilà, c'est officiel jusqu'à la fin de ce live. Doc est officiellement muet sur mon live. Je n'aime pas cette chanson. Non, Twitch et YouTube. De toute façon, il aime rien, oui, d'accord. J'aime tant rien. C'est pas des filles à gros nénés. Tant que c'est pas des Maltesers, des chips Lay's ou du Coca, moi ça. Non. Il n'y a rien. Et Dopro, j'aime pas. Il veut une fille, les gars, il veut une fille avec deux gros Maltesers. J'aime pas les bouts. C'est normal qu'il aime pas le chanson, il n'y a pas de McDo dedans. Il y a juste un petit retard, je suis en train de voir avec Kay. Parce que dans ce cas-là, il prend ma place. Ah, faut se décider, changement de dernière minute, hein. Bon, 21h01, moi je pète un câble, hein. Par qui contre, c'est qui joue, qui c'est qui joue pas, faut se décider, hein. Oh, bordel de merde, oh là là. Ok, Kay prend ma place. Oh là là, je m'inscris. Ah oui, 21h01, quel dommage. Une minute de retard. Bah moi, inscription clos, hein. Bah ouais, inscription clos à 21h. Bon, c'est lui le patron du Discord, faut pas oublier. C'est le big boss. Bon, ah, les steaks. Je propose une game loss à Kay, docteur. Ouais, grave. On peut faire un vote. Ça fait pas 10 minutes, donc non. Eh, regarde, moi je vous dis, moi, vote kick. Ah, ça m'a. Il a marqué sur le. C'est tout con. Et là, on va avoir les messages d'Araka disparaître et on voit. Au revoir, voici, mais non. Au revoir, Araka, il ne revient pas. Ça y est. Donc, en train d'envoyer un message. Tu fais quoi, toi? Protège ta femme, rentier, toi. C'est l'heure du challenge. Et je me tape contre Doc. Ça, okay. Je suis contre Aydrin. Ah, ok, je me tape contre Kay. Bon, bah, David, c'est... C'est le dernier à avoir le challenge, fais chier. Kay, je sais qu'il avait... Oh, mais David. Putain de double clic, là. Ori, je joue quel deck? Dis-moi. Je sais pas quoi jouer. C'est toi qui host ou j'host, David? Vas-y, host, c'est toi. Ok. On peut pas le assigner. Bon, qui c'est que j'allais voir, moi? Oh, j'allais voir Ben, tiens. Allez. Vas-y, je joue un deck que je connais pas. Je pense que je vais partir aussi sur Big Ben contre David Mitri. Ah, yeah, oui, bah, c'est David Mitri encore. On est sûr qu'il joue, Hydrain? Oui, il joue. Oui. Oh, ok. Bon, il est où, Big Ben Kay, là? Ah, attends, j'ai pas encore lancé. Voilà. C'est bon, David. Ouais. Eh, mec, en OST, là, pour ce soir, j'ai mis tout ce qui est Forbidden Memories en musique. Dédicace à Ori. Allez, good luck, have fun à vous. Bonne chance à tous. Bonne année. Et les 40 minutes ont été affichées. C'est... parti. Alors, on a au premier round Big Ben contre David Mitril. Sachant qu'en parallèle, on a Kay contre Araka et Marticore contre iDream. Alors, je vais essayer de choper Kay quand même parce qu'on le voit très peu. Et iDream, non, c'est bon, on l'a déjà vu à l'œuvre. En plus, les match-up ont l'air bien là. Bien équilibré. J'aurais préféré peut-être David Mitril, Kay et Araka Big Ben pour vraiment bien l'équilibre. Mais bon, c'est le hasard. Et on commence avec David Mitril qui ouvre les hostilités avec son Dino. Et des nouvelles sorties Dino, le petit alligator niveau 1. Mais Dino reste encore bien supérieur à Rouage Ancien, mon grand regret. Alors que Rouage Ancien a un putain de Link. On est sur le move classique de Lexis 4. Plus le gros, j'imagine. Donc là, la pilule. La bannière depuis sa main, ouais, c'est très bien. Ah, il peut peut-être partir aussi sur... Revertex pour les magies. On part où en def? C'est pas commun en def, mais c'est important pour le Lightning Storm. C'est pour ça qu'il l'a mis en def. Donc il aura pas trop de MP. Il va partir sur... Ah, anti-monstre. Donc il lui laisse quand même le Lightning Storm, sachant qu'il y a ça. Et il est vraiment full anti-monstre. Ok. Alors Big Ben par contre ça va être ouais, c'est les effets de monstre. Vous savez qu'ils se connaissent bien, ils savent pertinemment que ça va se full negate. Est-ce qu'il va enchaîner ou pas? Je ne sais pas.
C'est pertinemment que ça va pas jouer Lightning Storm. Dimitri a réfléchi pour savoir si les fers allaient l'embêter ou pas. Il a décidé de negate et de détruire. Question spé. Hail. Sachant que c'est pas une fois par tour, hein. Il peut negate encore une fois un effet de monstre. Dimitri est totalement en situation de force. Hein. Ça tente un effet, ça negate aussi. Logique, logique. Rien à dire. Il y a encore un effet qui va retourner les monstres. Il y a du coup deux dinos. Là, une phase qui fait que le kill va bientôt arriver. On sait qu'il y a que des monstres pour possibilité de end trap. Ça va être ultra compliqué là. 3500 entre 2003. Plus à 1008, plus qu'il va envoyer. Bon, c'est bon. C'est réglé. Le kill est là. C'est gratuit. Donc là, il y aura probablement la sécure pour les hand traps. Ce supra lourd. Ça renvoie ça en plus. Allez, boum. 7000 plus 2003. On est bon. On se casse pas la binette. C'est fini. En plus, il y a la repop de Rex géant. Hop, Exis à nouveau. On refait un Dolka et c'est GG. Histoire d'être sûr. Ah, la Gia, non, c'est peut-être pas. Non. Vu que c'est un Supra lourd, il n'y a pas nécessaire. C'est pas nécessaire. J'aurais pu une trappe. Commence par les petits. C'est gratuit, hein. Donc c'est Big Ben qui a perdu au dé du coup, c'est pour ça. Donc Big Ben qui a gagné au dé, qui a laissé Dimitri commencer, qui était une grosse erreur. Oh. Ah, ils ont pas fait un best of 3. Choix, oh, Big Ben, j'interviens, vous étiez pas en best of 3, donc tu fais un best of 3 et ouais, tu surrun la première comme prévu. Ouais, ouais, t'inquiète. Bisous. Bah en fait... Voilà. On va attendre. Danny ! Davy ! Ah, c'est mieux. J'ai voulu Davy Mitri et Danny, très bien. Run. Donc là on joue le deuxième round, le side. Avantage des spectateurs, en plus Doc a regardé le match-up. Donc... Et vous avez vu, hein, j'ai aucun droit sur l'OTK Live que dalle. Hein. Et pourtant j'arrive à imposer mon autorité en tant que commentateur. Mais en fait, dans l'OTK Live, mes paroles n'ont aucun sens. C'est vraiment Doc et Kay qui ont le dernier mot, quoi qu'il advienne. J'ai aucun droit, aucune autorité. J'ai juste le droit de, comme Araka, de streamer, comme à peu près tout le monde d'ailleurs. Donc moi, au préalable, j'ai demandé les droits, justement. J'ai posté des messages il y a longtemps pour avoir la possibilité de pouvoir... être commentateur ou joueur en stream pendant les OTK Live. Alors, c'est re-Davimitri qui commence, donc du coup Big Ben laisse encore l'opportunité à Davimitri de refaire le même move, donc anti-monstre, etc. Ah, parce que ça m'engraite. Non, Inkoribo. Oh, il y a une main dégueu là. Alors autant ça aurait été Doc, j'aurais dit ouais, il a full entrap. Dimitri, lui, il a une main dégueu là. Il a que du gros. Il va avoir du gros. Hein. Il a de l'overtex. Ça caillou, ça part sur TK. Là. Ça part sur le TK. Oula, ça va dans la même colonne. Pas très grave. C'est un monstre. On prend un peu.
On sait que ça joue pas mec chevalier en face, donc y a pas de problème. L'arc, évidemment. Là, on est sur le move. Là, cette fois, c'est Big Ben qui est parti pour un autre école. On ne l'arrêtera plus. Synchro 10 derrière. Excusez-moi. Ah. J'ai éternué, il y a une grosse synchro qui est sortie. Donc, c'est une 3008. Plus l'arc. Le collègue. Oh, ça sourit. Avec le peu de MP qu'il y a en face. Il y a eu l'invocation normale. Très bien joué le Colette. Ah, je crois que Dalmitril il peut sur un aussi à son tour. Mais attention Dalmitril, on le connaît. Enfin moi je le connais bien en tout cas. Et il est du genre à... Ça, il a pas peur. Mais il a quand même bien briqué, hein, je trouve. Avec Jurassic. Il peut partir sur Pilule. Le problème, c'est que Pilule... compliqué. Une 3008 à passer. Il est en def, il est en def. C'est ça qui est bien. Et là, le gros problème, c'est qu'un dino contre Supralourd, bah, Supralourd, il attaque en def. Et du coup, un combat en def contre la 3005, ben, bah, ça fait la merde. Ça part sur le diagramme, donc ça va partir sur le roi véritable. Ça va beaucoup faire chier Big Ben, ça va. Sur le roi véritable, avec peut-être des bébés Serrazor, ça peut faire très mal. Il a laissé passer, il hésite à jouer diagramme. La seule diagramme autorisée dans le deck, puisque c'est limité à une. Le prankra pour essayer de gérer la crise. Le problème, c'est que le sacrifice sur Colette. Donc il va forcer le Colette. Il a déjà forcé le collègue. Le collègue ça vaut le coup, donc il a bien forcé, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Du coup maintenant bon, on prend Kral limite à une. Là il va partir sur diagramme, effet diagramme sur bébé Serrazor, effet bébé Serrazor, là j'aurai collègue. Là, le bébé qui tombe. Assez petit, hein. En plus, c'est vraiment pas de cul. Invoke Spé. Peut-être rajouter en main un autre terre comme bébé Serrazor. C'est là qu'il fallait Colette, du coup, ça aurait niqué tout le move pool. Parce qu'il aurait un roi véritable et c'est tout. Alors que là, ben, le move pool peut avoir lieu. Donc, précipitation, Big Ben est tombé sur dans un piège qui se voit de Dalmitril. Il a quand même un effet de veilleur, ça c'est bien. Et ça empêchera pas pour un roi véritable. Ça par contre ça embête beaucoup. Oh il a l'autre. Ok il a plus qu'un roi véritable et ça. Donc maintenant Big Ben connaît la main de son adversaire, il connaît tout. Il sait que le diagramme il va plus trop le faire chier. Par contre c'est elle qu'il va falloir passer. Compliqué. Dimitri, c'est son dernier retranchement. Mais c'est un monstre très très pénible à tuer. Après, ça joue le top deck. Hein. Du coup, hop, envoyé au cimetière en infligeant 1000. Les 1008 de dégâts. Il peut toujours sacrifier depuis sa main. Il peut sacrifier depuis le terrain. Qu'il y a un autre Kaiju à la rigueur, mais avec deux cartes en main, ça serait compliqué, même Kaiju. Surtout que si top deck n'importe quel monstre terre, et pire encore si c'est bébé Serrazor, et fait. Ah, il en faudrait deux aussi. Ouais, peut-être qu'il a d'autres rois, et du coup, il peut s'amuser avec Diaran. Alors, que se passe-t-il? Commencer l'attaque. Test.
Rien du tout. Et décidément, j'ai bien vérifié. J'ai fait. Et sur Dexys 4 ou du synchro? Ah, Dexys 4, mais le problème c'est qu'il y a ça. On est sur double supra, troisième supra. Bon, lui il va carrément se faire ultimate conducteur. Hein. Il va détruire ce qu'il a en main de rigueur, j'imagine, pour garder la 1008. Ou tu dois vraiment détruire un monstre de votre. Non, il peut détruire le roi véritable. Et là, on est sur du 3000, 4800. Là, il pourra attaquer. Il a une phase. Donc, si un diagramme peut, pour un autre roi véritable plus ça. C'est GG, mais je crois que le roi véritable est limitérieux. Moi qu'il en joue plusieurs, mais logiquement non. Là on est sur battle classique. Donc, Dimitri, je pense qu'il est sur le point de gagner. Et là on est vraiment sur le top deck de Big Ben. C'est pour ça que Dino c'est très fort, lui c'est, une gros, c'est un gros ton à 3005 et... Il n'y a pas de link, c'est la merde. Et pour Link, bah faut des monstres face recto. C'est pour ça que Dino c'est très fort. Et du T2. Toujours tier 2 lui. Il avait disparu un moment mais il est repassé tier 2. Enfin lourd, on est sur du tier 3 voire 4. Il est sur du bas level. Encore du bas level compète. Et pas sur du fun pourri après derrière. Hein. C'est encore plus bas. Là c'est le GG de Dalumitri j'imagine. Une carte face cachée. C'est le GG, c'était rapide. Donc 2-0 pour David Mitril. Enchaîner tout de suite. Je pense que ça a été suffisamment rapide. On va regarder Marticore contre iDream parce que Araka est en train de dive contre Kane. On pourrait voir ce match-up. Je vais éviter de montrer Araka. Alors Marticore. Même musique. Alors on est sur un zombie Eldish contre Tenny. Apparemment Aiden. Ah je sais pas. Mais je crois que c'est Marticore en bas. Et du Ash Blossom, Sandegate. La battle à 3000 ou c'est quoi. Un zombie, hein, ils peuvent pas faire grand chose. C'est même bannir une fois partout. Daki. On est sur un Eldish Mayakashi. Bah, patate de fou. Ah oui, il est obligé de taper un autre monstre. Patate de... Non, non, retiens-toi. T'as pas le droit de taper le joueur. Tu peux taper que l'adversaire. Qui... Donc là, on a... Donc là, c'est sûr, c'est Marticore. Donc on a le bug. Et Adrien, qui en a marre d'affronter du tennis, se retrouve à jouer tennis. Je crois qu'on l'a trop poussé à jouer tennis. On est sur un tennis avec juste sa synchro quand même. Putain, il garde son attaque jusqu'au bout. Oh, c'est fort. Oh, une 0-0. Oh là là, la mauvaise idée. Pour invoquer. Il va se faire baiser.
Ah, il peut peut-être pas, ouais, Balardoche. Ouh. Peut-être deux fois. Hein. Il peut attaquer. Eh oui. Eh oui, il peut. C'est Conquistador qui invoque spé. Ah, la combo quand même, monde zombie plus rivalerie. Un classique maintenant. Allez, dégage. Ah oui, Irene, bah oui, après il faut qu'il gère un zombie au moins une fois. Et c'est fini, donc du coup c'est Marticore qui a gagné. D'accord. Ah bah il reste plus que Kay contre Araka, je pense que ça devrait se battre. Hein. Du pas de patrol. Araka joue pas de patrol. Il y a l'air of darkness. Wow, je reconnais pas mes joueurs là. Je reconnais pas du tout les joueurs là. On a un Lair of Darkness d'un côté et un pas de patrol de l'autre. Avec du kaiju des deux côtés. C'est... Donc ça c'est le kaiju de. D'accord. Un kaiju pas de patrol du côté d'Araka. Et c'est bien Araka. Vu dès comment il est tombé, je pense que c'est plutôt les moves de Kay. Et Araka est parti sur l'air. Il y a mine mystique du côté du Lair. Par poli. Retour au front. Force miroir, ouais, ça c'est Araka ça qui joue. Et là je vois pas du tout qui affronte qui là. On va partir du principe que Araka joue pas de patrol, que j'en doute parce que je sais pas s'il connaît bien le deck ou pas. Tant qu'il y a plus rien, hein, je veux dire, il hein, y a du 8, du token, qui joue vénère. Et quoi ce délire? Patrol à 3000 sur la 500 là. Moindre sacrifice, il se retrouve encore avec une 3000. C'est compliqué. En plus, il y a des pièges dans. Ah oui, retour au front et tout. Donc, s'il y a encore la Ladies of Lamentation, on pourrait s'invoquer en sacrifiant deux. Paf, il se retrouve sur. Quoi oh. Pas de sacrifice. Un gros kaiju à 3003 pour le passer. Genex Zonzine, et ajouter un Genex Contrôleur. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'y a plus que cette carte dans le deck. Hmm. Ouais. Ouais. Et ça, c'était que le premier round. Ou le deuxième. Avec Zeko. Ah ouais. Ah, ça se battle, hein. Un sacré side. Maintenant, on voit Big Ben et Dimitri qui sont en train de discuter tous les deux là-haut. Alors 7-3 Lilith, il m'a dégueu ça. À moins que ça métaverse. Chaque fois que je commande, faut que j'éternue au moins 3 fois. Quand je suis pas sorti. Fait Covid-19 par les gens qui viennent nous voir maintenant. Billion Zitter comme dernière carte, peut pas être sacrifié par contre. On a une défense. Sacrifice personnel de Lilith. Toute la main a été révélée sauf les pièges, ça peut être virus. C'est très fort, mangeur de millions en mirror match. Ouh, Kaiju, faut sacrifier Lilith. Ça fait Lilith. Que c'est collé ou pas.
Pas de métaverse pour l'instant. On sait pas les cartes, hein, les trois cartes qu'il a sectionnées. Donc la carte qu'il a ne peut pas être activée. Il a une chance sur trois de savoir, moins que c'est trois fois la même. Donc il sait la carte qu'il a face cachée. Et trois autres cartes face cachée, on sait pas ce que c'est. Donc là, il a invoqué un gros et un plus petit. Le ténèbre, par contre, il est particulier, lui. Surtout, c'est un ténèbre. Ça, c'est... Donc lumière contre ténèbre. Patrol. Un virus. Anti-MP. J'ai choisi spell. Que des monstres, pas de chance. Putain, trois fois la même. Trois golden air. Trois golden air, c'est vraiment pas de cul, hein. Ça peut faire du synchro, ça peut faire du link. Donc ça redéfausse. Voilà, il y a les trois golden air qui sont tombés, on invoque une autre. C'est... Oh, il y a du beau link, il y a de l'exise, il y a du synchro à faire. 12 tuners par contre, t'es niveau 4. Donc ça part sur l'exise, j'imagine. Le bateau. Link 2, patrol, d'accord, ça marche aussi. On a, pat- on a link, exise et synchro. Après, je sais pas s'il y a eu d'autres patrols qui sont sortis là dernièrement. Moi, c'est celle que je connais. Hein. Le confinement, j'ai vraiment pas touché. On part sur la synchro. Lui, boost d'attaque, j'imagine. Allez, système. Paf. Patrol. D'équipement, 2100, 1500, 3003. Il ira pas. 1600 plus 3003. Quand il reste plus que deux cartes face cachée. Et là, à peu près, le l'air of darkness que je joue. Hein. Mais c'est bizarre quand même que Kay joue Lair of Darkness. C'est pas son style. C'est chevalier noble et tout. Ça repart et tout. Veni match. 4 cartes quand même. Il y a 2 cartes mais là il y a 3 cartes. Retour au front. Sur Divit. Million Zitter il pouvait pas. Et que Lilith. Bon ouais c'est fini. Moins de sacrifier. Allez faites ça. Élite. Retour au front. Evenly match, mais le problème c'est qu'Evenly match, il faut attendre un tour. Là, il y a 3003 qu'il faut gérer. Même colonne. Là, Araka qui maîtrise aussi bien le pas de patrol déjà. Je comprends pas trop. Hein. Et du Vlas s'entraîner tout seul. Hein. Pour avoir un truc comme ça. Mine. Dernière carte qui sauve. Oh, il chope Twin Twister et c'est une magie énorme. Énorme. La tuto Kaiju. Ouais, c'est que comme il y a encore virus, il porte plus un autre Twin Twister du coup parce qu'il y a plus de chance. Il y a les 3 exis là. Relink 2, peut pas faire d'effet. Faire que ce soit plus gros. Hein. Ça partit sur Link 4. Pas de patrol. Oh, Avramax! Je peux partir sur Avramax là. Pas mauvais. Non, il a fallu Hip Mascarena. Là, il a limité les dégâts, il a niqué tout son board. Carte face cachée. Ça peut pas être une magie, on l'a vu. Oh,
Encore une magie qui tombe. C'était un... Ah, il a vraiment pas de chance. Et ça, c'est pour avoir tuto un kaiju. Il aurait pu attendre un tour. Là, il aurait pu le faire. Voilà, après le kaiju tuto. Il a préféré tuto pour espérer piocher, mais il se cassait un petit peu. Donc, du coup, ça lui a coûté une autre magie. Allez, attendre. Quoi, Rima? Wow. Oh, le move est bizarre. Ah, j'aime pas le move. J'ai pas aimé le move. Non, Marima est fait pioche. On tombe sur quelque chose. Maintenant, on sait pertinemment ce qu'il a en main. C'est pour ça que j'aime pas le move. Hein. Après, est-ce que mon move est mieux? Pas sûr. Là, on sait qu'il a la ronde d'Acnes, mais... C'est dur, hein. Il attend. Le matchup est paralysé, et là, le Twin Twister, c'est tout seul. C'est fini. Pas de super poli. Il va y avoir du métaverse derrière. Une phase. Le mi-sang. Il y a le kill hein, du côté de Daraka, on va dire. Hein, parce que c'est le nom qui a été donné. C'est une twister. Hein. Ah, battle. Evenly match. On est sur deux cartes à enlever. Le métaverse, ça c'est une mauvaise idée. La merde, ça a été activé trop tôt. Métaverse reste sur le terrain. Du coup, il va tuto. Allez, tuto. Une autre mine mystique. On s'en débarrasser. Ah, c'est pas mauvais. Comme ça, il se débarrasse des deux comme ça. C'est pas mauvais. Un bon move. D'accord. Et protège la mine mystique. Très bien. On sait pertinemment qu'il a deux terrains en main. Du coup, dans la gestion derrière. Il part sur Opart. Pas d'extra. Oulala. Il n'y a plus d'exis du côté. L'air en Darkness, on part sur Lilith. Il n'y a qu'un capitaine. Et capitaine. Baliste. Il va détruire celui qui est activé. Le problème, c'est que ça n'annule pas les effets. La fusion, ça, je la connais pas parce qu'elle est sortie à dernière extension. Faut faire gaffe. On a Lilith. Remis une mystique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, il a activé toutes ses cartes. Non, c'est vraiment pas Kay qui joue ça, c'est pas possible. Et il fait pas des trucs comme ça. C'est pas possible que ça soit Kay qui joue du côté de l'Arbre Darkness déjà, ça c'est sûr. Je reconnais pas du tout mes joueurs, ça c'est sûr. C'est pas leur style. Ou ils ont bien changé mais depuis le confinement, hein, j'ai envie de dire. Soit c'est Araka qui joue l'Air of Darkness et Kay qui joue pas de patrol. Là, ça me semblerait un peu plus logique. Soit on me fait croire que c'est Kay qui joue alors qu'en fait c'est pas Kay qui joue. C'est Kourou. Par contre, ça me choquerait Araka jouer pas de patrol dans les deux cas. Pourquoi pas. Le matchup est à nouveau paralysé et le mec il vient de bouffer deux terrains pour rien. Et un truc au pas. Le mec il nique toutes ses ressources. Moi je vois que Kourou qui joue comme ça. Là ça attend toujours le Twin Twister. Ça peut jouer le time aussi. Hein. Il est à 35, il reste à peu près ouais. 10 minutes maximum. Hop, à nouveau l'Air of Darkness. Ça va chaîner. Invoquer SP synchro du coup. Ah, Kaïm qui est fort. Hein. Ah, double. D'accord. Fort. Oh. Très fort la ligne quand même. La Lilith qui arrive. Il
Infinite, obligé d'activer sur elle-même. Ou sur un monstre en face. Nique avec le patrol, ça, ça va être bon. Ok. Le patrol, on a bientôt niqué toutes les ressources en face. Évidemment, l'effet est proc avant la negate. Il peut taper la 1000 ou la 1005. Effet de l'invox P, donc on a un effet trigger. Oh la vache! Ah ouais, les monstres invoquent direct du synchro et de la fusion comme ça. Vous savez. Incroyable! Effet du truc, s'en débarrasser. Du coup, il vient de niquer tous ces Lairs of Darkness, il n'y en a plus là. Il n'y en a plus. 1, 2, ah ça va, il en reste encore. Oula. J'ai pas activé l'effet de fusion. Ouais, c'était beaucoup plus. Négateur. J'ai détruit un Vox P. Diabolos. Y'a pas Diabolo, c'est fini, y'a moins de force miroir. Y'a un très bad move du côté de, du joueur l'air. Mais bon, la question reste entière, hein. Je reconnais pas du tout les deux joueurs en train de jouer cette version. Putain, mais pas sur ça maintenant. C'est clairement pas Raka qui joue ça, c'est pas possible. Avoir des combos comme ça. À moins de l'avoir vraiment vu à l'œuvre, Raka peut pas jouer ça. Negate. Il y a du, de l'eau partout. Beaucoup trop d'eau. On sur X6-8 derrière. Il reste 4 cartes à l'extra. Hein. Tous les patrols sont passés. Ça tourne, mais comme papa dans maman. Hein. C'est incroyable. C'est l'hélicoptère. Il y a de l'Exis 4, de l'Exis 8, du Link 4 en jeu là, du Synchro 8. Le problème c'est que bateau il en reste plus qu'un. Le côté l'air il pue la merde. Je peux dire. Et là non, les moves me paraissent beaucoup trop parfaits pour que ce soit Raka qui joue. Ou j'ai vraiment sous-estimé Raka. Dis-moi ça, on a du 4000, 5, 3000. Et les deux autres sont pas en mode attaque, heureusement. Force miroir. Bon, ça c'était logique, ça a l'air. A l'air basique. Donc les deux autres étaient en def. Toujours une magie de terrain, un piège, une carte à se cacher. Du côté de patrol, il reste plus 4 cartes à l'extra, il reste plus grand chose. À moins d'un pot d'avarice pour recycler un peu là. Lexis. Un crapaud d'élique maintenant. Ouh! Moudragon en face. Il est en train de retourner la game, c'est incroyable. Crapaud d'élique. C'est une grenouille. Ou un aqua. Encore d'autres surprises du côté de. Moudragon qui va prendre de type attribut ténèbres. Donc il peut sacrifier, c'est une 1009. En le sacrifiant, il peut récupérer Diabolos. Attention, ça devient compliqué. 10 cartes du côté de patrol, sachant que quasiment toutes ses ressources sont tombées là. Il vient de faire un double truc. Sacrifice par un kaiju. Donc Diabolos va revenir grâce à l'attribut ténèbres de Moudragon. On a effet ténèbres. Il va target la 3000 kaiju. Putain, ça va être timé. Fait chier. Là on est vraiment trop serré, on peut pas se permettre de jouer le time. Doc, ferme ta gueule. Je mute à vie ici. Ah voilà, l'archétype est super. Là. Un très beau match-up qui arrive. Mais un patrol qui était serré, qui se fait niquer par un. Par une mine mystique. La mine mystique, c'est lui-même qui l'a enlevé, donc du coup il a pu jouer. Finalement il a réussi à le contrer avec une super poly et tout.
Là, il y a quasiment plus de ressources du côté de du joueur patrol. On a une 4000 points d'attaque synchro de ouf qui revient. 30 000 points de dégâts, c'est bientôt fini. Deuxième force miroir, ça va être contré ça. Non, c'est pour oh, ce retournement de game. Ça peut jouer à 100 PV. Et interdit de tempo. Et hors de question de jouer la tempo. C'est le GG. Ah, il a niqué toutes les ressources, il n'y a plus rien là. Plus 3 cartes à l'extra, 10 cartes dans le deck. Mais ça va, je m'en sors bien. Et c'est sur un, il l'a laissé. Oh putain. Comment le lair, il a pu s'en sortir? Comment le lair, il est revenu là-dessus? Il est revenu sur deux forces miroirs, une super poly, qui a passé attribut ténèbres pour être sacrifié par un kaiju, ce qui fait que ça s'est retourné contre... Oh là là. Le seul misplay du patrol, c'est d'avoir le kaiju. Kaiju le Moudragon. Et il s'est fait niquer parce qu'il a cru qu'il allait sacrifier par un virus, et en fait, c'était pas un virus, c'était un mirror force. Bon, alors, moi, je continue à croire que Kay jouait Patrol et Araka Lair of Darkness, ou que Kay, c'est pas le vrai nom que c'est Kourou qui joue, parce que c'est bizarre. C'est bizarre, parce que Araka jouait Patrol comme ça, j'ai du mal à le croire. C'est possible. Mais il aura vraiment... Alors, je sais pas comment il s'est entraîné avec Patrol. Il m'a jamais parlé de jouer Patrol. J'ai jamais vu jouer Patrol. J'ai jamais vu se vanter de dire que je vais jouer Patrol. Voilà, il me l'aura bien caché, franchement. Où j'ai vraiment pas fait attention. Enfin bref, on va pouvoir passer au deuxième round. Donc du coup, ça gagne 2-1, c'est ça? Je crois que c'est 2-1 là. 2-0. 2-0 en plus, putain, j'ai vu la fin du premier round. C'était bien le premier round en 20 minutes. Oh, tu m'étonnes. C'est long. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On a Aydrin contre Kay, Araka contre Big Ben, et Dimitri contre Marticore. Marticore dans l'unométrie, c'est normal. Araka Big Ben. Araka Big Ben, c'est le. Mais c'est pas le choix, c'est parce qu'ils sont 3, donc ça c'est logique. Et Kay contre Aydrin. Je pense que. Putain, on va revoir Dimitri là. J'ai vu Dimitri le Big Ben, on est obligé de revoir Dimitri le Marticore. Là, ils sont tous les deux à un point. Araka Big Ben, c'est bon. Kay et Aydrin. On vient de voir Kay. Peut-être regarder Kay et Aydrin pour savoir qui jouait. Non, on va garder la surprise jusqu'au bout. On va regarder Dimitri contre Marty, quoi. Je vais garder la surprise. Je vais me poser la question jusqu'au bout de savoir si c'est Araka qui jouait pas trop ou pas. Il me choquerait. Vu comment ça a été joué, j'ai vu les moves... de Kay, mais j'ai pas vu les moves d'Araka dans Patrol. Alors, on a un foolish Ash Blossom. Donc, le foolish anti Eldish, si c'est bien Dimitri qui joue le lâche. Un monstre en mode défense, ça peut être Bulb pour aller mettre en main Eldish, ça c'est pas mauvais. Deux cartes face cachée, ça peut être des pièges d'Eldish ou Rivalry. On va pouvoir savoir si c'est buggy ou pas. C'est bel et bien Dimitri qui joue avec son dino. Ah, il y a le classique. C'est le move de base, c'est le move qu'on a dans le deck de structure, c'est le move cheaté. On va voir qu'il n'y a que des decks de structure maintenant qui sont forts. Le Lair of Darkness qui revient en force. Le Salamangreat qui vient d'un deck de structure, c'est complètement abusé et méta. Bon, maintenant il n'y a pas tout, il y a pas seulement deck de structure, il y a aussi autre chose. Et c'est là le problème, c'est que les decks de structure ils sont complètement. Alors on a la défausse anti dino, très bien. Le bannissement de 1 pour mettre le petit alligator. Le voilà, le petit alligator. Argosolus. C'est comme ça qu'il est écrit sur la carte, mais je crois que c'est Arcuso. Lipiti Terranodon. Bon, ça va jouer sur X6-4.
pour bannir 2 après derrière. Evolzer ou... Alors, c'est un Evolzer ou un move un peu plus... Anti-MP. Ou un anti-monstre aussi. Évidemment, à cause de monde, voilà. La link 1. Battle à 9. Le battle à 0. La pilule. Enfin, c'est que... Il est là, le monstre qu'il aurait voulu. Il est pas parfait, mais voilà, il y a un anti-MP, il y a un anti-truc. Évidemment, ça va invoquer SP. Je pense pas que ça soit negate, il n'y a pas besoin. Ça fait un monstre en def en plus. Il n'y a rien à redire. Bon, il est gratuit, là. Pas besoin d'activer, t'attends. Au moment où il bat, tu negate. Voilà. Il n'y a pas d'eldish de toute façon, donc tout va bien. Il est en attaque, c'est encore pire. Très bien. Très très bien, j'ai envie de dire. Franchement, il est gratuit, là. Boah. Là, on est vraiment sur du 2002. On n'est plus sur 1000 de dégâts. Donc 1000, 2000, 3000, 4000 et quelques. 5000. On est à plus de 6000 de dégâts, là. 6100, je dirais. À vue de nez. Là... Ah, même 200 même. Ah non, il y a 100. Ouais, c'est bien. Ah, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, 1009, non, 6100, c'était bon. Ah, bonne chiffre. Et c'est pas mal. Voilà, parce qu'il l'a pas mis en dé. T'es obligé de l'activer en attaque. Non, de Marticore. Alors on a un protection des dégâts, retournement face verso, c'est des magies et pièges, c'est un peu compliqué aussi, et on a un anti MP anti invoque là. Ah, oh, putain, il a activé la même et on pas dessus. Ouais, ça peut se negate, ça. Il peut activer qu'une fois ça, donc du coup à part d'invoquer SP, peut laisser filer aussi. Je pense qu'il va le laisser filer parce qu'il n'y a pas intérêt de negate. On attaque. Bye. Battle B. Y'a pas le choix. Daki pour une synchro 7. Donc c'est une invocation norme, donc ça peut se negate. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ah, il retourne pas verso, c'est encore mieux aussi. Sacrifier un monstre en main, si c'est un Serrador, c'est encore pire. Ah, le Kuribo, oui aussi. Donc voilà ce qui se passe quand c'est un MP qui retourne face verso, c'est... Il est revenu piège face caché. Bon zombie. Donc du coup, perte de 500. Ah, GG, hein. Ah, quoi que, tape avec, hop, retape avec, non, c'est mort. Perdu. Évasion de fossiles, va aller tuto. H Blossom. Qu'est-ce que ça change? On ne sait pas. En plus, ça peut negate, non, mais c'est fini. Battle, il n'y a pas à réfléchir, hein. Il a ce qu'il faut là. Il n'y a plus à chercher. Voilà, taper, moins 1000. Et tu negates l'autre effet.
Ah, même s'il active, il peut negate. Donc... Ou sinon, il peut revenir et taper avec Nuktor, il me semble. Il peut rien faire. C'est le fait d'avoir deux fois la même carte qui lui a causé du tort. Il s'est fait Ash Blossom le foolish. Il n'a pas pu jouer correctement. Tide. Oui, je suis en train d'envoyer un message à Sour pour le Minecraft. Faut que j'aille voir demain. On verra demain. Ok, deuxième round. C'est Marty Core qui rouvre les hostilités avec un fast down. Ah, le cursed, c'est bien. Ah, le maison au chocolat. Ah, ça c'est nouveau, ça. Ça. On m'avait pas appris un Eddie jouer maison au chocolaté. D'accord. La maison de la sorcière. Mais j'embêtais un peu. Et Dish, ça c'est bien, comme ça il a retuto à tout. Il a 3. Ah, il a deux fois le même encore. Il y a vraiment pas de cul. Hein. Et une 3005 avec Eldish. Hop, les effets pour aller. Non, les effets. Allen phase, les effets. Les effets. J'ai pas peur. Ah, chaîne 2. Pas chaîne 3 par contre. Alors. Zombie. Anti-activation. Ah, peut-être qu'il l'a déjà. Le canal de Mani Monster contre les possibles. Oula, ça joue vite, ça joue trop vite. Zombie. Partir sur Rivalry. Ça joue trop vite. Ça joue trop vite. Ça joue trop vite. Maintenant, ça a révélé IA. Eleven Image. Papa. On garde Eldish. Ça a joué trop vite. Ça a joué trop vite. Donc il a même activé ça. Ouais, c'est là qu'on se dit qu'il faut l'anti-MP. L'anti-MP, ça passait. Il a pas été le tuto. Bah, bien fait pour sa gueule. Du coup, maintenant, il va pouvoir faire son move. Il y a une carte sur le terrain. Heureusement qu'il y a de la recherche. Hein. Il y en a un, deux. Deux qui vont revenir. Il a tout perdu bêtement. Hein. J'avais déjà dit à Raka plus d'une fois de toujours mettre l'anti-MP posé après le T1, mais. Pourquoi on me croit jamais? Pourquoi on veut pas m'écouter? Pourquoi c'est à Dimitri de leur donner la leçon? Je comprends pas. Faut dire que moi je joue jamais. Qu'est-ce que tu veux que je leur donne la leçon? Création de fossiles. Il était tuto quoi du coup? Fais attention. Bah carrément, ah ouais. Ah bah ouais. Ah bah oui, hein, bah oui. Ah bah oui. Hein. C'est ça.
construction, les donjons, les fosses, plusieurs. On va venir 4. Petite merde. La ligature. Sacré Pokémon. PP Salazar, pilule. Effet PP Salazar. Tease. Bolzer. Anti-MP. Donc là, c'est. Ah bon, en plus, super sympa. Pilule. Et. Moi, je sais pas pourquoi il va enchaîner les bébés serveurs. Bam, blam, 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 c'est le bordel. Hein. Ça part sur un gros link. Hein. Et ça peut partir sur Avramax plus pilule plus. On va voir, on va voir. Et pilule plus double ban plus. Pisseron! Pas comme tuner. Ah oui, il y a lui. C'est vrai qu'il adore cette carte avec Risson, c'est un combo. On a deux Mascarina, là. Petite Merlin Cross. Bien, ça fait un Link 3 en fait. Link 2, Hypnose Carino. Blah ! Je sais plus là. Matériel Metal Marcheur. Ah, ok, maintenant il innove des trucs. C'est parti. Donc ça joue. Alors, ça, c'est les vrais combos avec Chris Rom. Un synchro 3. Est-ce que. Ça peut faire du vent, hein. Puis je suis là, carrément. Faut chaîner, mon gars, faut chaîner, hein. Parce que là, il va tout bannir. Mon terrain. Faut chaîner. Va niquer ton board. Il a pas chaîné. Parti corps. Il a encore pilule et Tyranno en main. En un. Il a un anti-magie. Il a un anti-magie, un anti-monstre. Il peut refaire du Link derrière. Il peut se débarrasser de Trishula pour mettre autre chose. Hein. Là, à part ça. Pour aller tuto, s'il a Ash Blossom, c'est fini. Hein, je veux dire, il joue le top deck. Là, le Suron, il est gratuit. Hein. Donc là, déjà, l'Overtake, ça c'est logique. Les deux bannes pour Tyranno. En plus, il peut l'envoyer au cimetière en faisant un gros Link 4 derrière. 1, 2, 3, 4. Voilà. Un autre synchro 9 même. Un draw carte égale au nombre de non-tuneurs utilisés pour son invocation. D'accord. Vous pouvez défausser deux cartes et target une carte sur le terrain, détruisez-le. Très bien. Ah oui, on fait un Nexus 9 aussi. Oui, c'est très bien. On est sur roi de toutes les calamités, voilà, bien sûr. Utiliser au Vortex? Même pas. Alors les tutos, il a plus de pilule. Bon, il y a un petit peu de misplay là. Il manquerait plus Ash Blossom en main. Rappel, il a pioché. Hein. Donc là, une phase, effet, on va tenter. Hein, parce que... Même pas. Bon. Articore qui est sur le cul. Voilà. Non, mais il tente trop tard, c'est trop tard. Hunter, j'imagine quand même. Ça, c'est une carte que Dimitri l'a prévue. Ah, il chaîne roi des calamités, d'accord. Il choisit la tribu Lumière. Rick. Logique, logique. Donc il veut invoquer un monstre en def. Quoi?
Pourquoi t'es aussi con? Pourquoi t'es débile? On va faire un Lair of Darkness avec des ennemis. On fout ténèbres, blablabla. Sacrifice. Et après, tu vas aller tuto. Ne pas manquer de monstres. Ah, que je tente. Il faudrait le monstre Eldritch. Il m'en faudrait qu'un. Ça, je pense que ça suffira. On a l'air. Rivalry. Alors qu'il y a Wyrm plus. Ah, il peut contrôler qu'un seul. D'accord. Et l'autre carte. Donc, du coup, il vient de counter. Quand même, il a 5 cartes en main. Hein. Là, tu te prends 3005, hein, tu réfléchis pas. N'invoque pas de ta carte, ça sert à rien pour l'instant. Au moins d'aller chercher une autre carte que tu pourrais activer à la end phase, même pas. Oh, tu as niqué tous les beaux combos de Delmitre, là. Alors, la question, c'est est-ce qu'il a l'OTK 3005, ça peut repilule. Et Vortex, il n'a pas activé son effet, donc du coup... Ça réfléchit beaucoup. C'est vrai que je comprends pas, parce que les deux pros, logiquement, le temps que tu fasses cette réflexion-là, tu peux t'en prendre plein la gueule, là. Voilà, il a le temps de réfléchir, Dimitri, c'est dégueulasse. Ouh, tu réfléchis pas là, tu perds du ton temps, tu vas te prendre time out. Alors que t'as clairement l'avantage, ça se voit. C'est gratuit. Il y a deux tours, c'est fini. Pas te casser la binette, t'invoques un petit Oviraptor de merde là. T'as pas 3005, il va invoquer SP comme un blaireau, tu vas lui infliger 1000. Tu le fais en deux tours, allez. En deux tours, tu le kills. Rivalry qui lui a mis Fatal Error System. Il sait qu'il y a une carte, c'est un monstre qui va avoir 1800 points de défense. Donc ce qu'il veut, lui, c'est s'en débarrasser avec justement un Tyranno pour infliger 1000. Et après, il va chercher les 6200 points de dégâts restants. C'est la réflexion de David Mitril, là. En face, il n'y a rien d'autre. Hein. Il doit y avoir un bug à la rigueur. Pas qu'il bug. Là, ça réfléchit beaucoup. Vérifier si c'est bien. Matchup est toujours là ou pas. Ah, je bug. Ok, bug. Impossible d'ouvrir l'URL. Player Davis. Petit corps. J'ai perdu la co et j'ai plus accès au serveur U. C'est pour ça que j'étais en train de regarder Macbox, mais elle n'a aucun problème. Tu dois être Edro, comme tu veux, mais j'avais aucun moyen de survivre à ta battle phase. De dominer clairement. Même problème, non? Ouais, j'ai beaucoup de boulot à faire. Donc, Dimitri gagne 2-0 et Aydren perd 2-0. Voilà, c'est ça. Ça a bugué. Quel dommage, mais bon, on voyait clairement que c'était Dimitri qui avait gagné. C'est-à-dire. Il y a eu une domination totale. Il n'y a pas. Quand il y a eu Trishula, il n'a pas été chercher de cartes à poser, etc. Vu que ça a été target, etc. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas activé l'Eilish. Après, est-ce qu'il pouvait? Je ne sais pas. Mais logiquement, oui, il pouvait. Je n'ai pas vu l'activer.
Où es-tu ? Je relance une. Allez-y. Ah, apparemment, Idren qui a perdu 2-0, ça se relance. Excusez-moi, c'est le bordel, voilà. On prend les serveurs. Mais clairement, t'as les wins. Ah, c'est lui qui allait gagner. Aydric qui allait reprendre. On a toujours Araka contre Big Ben. On va enfin savoir parce que je pense que. On va reprendre Idren contre Kay du coup. On va avoir le fin mot de l'histoire, c'est savoir qui de Kay ou de Idren. C'est vrai qu'il allait win. De 0 contre Dimitri. Ah non, 21h21, donc tout va bien. Non, c'est pas fini, pardon. J'ai rien dit. J'ai dit les conneries, c'était les résultats du round précédent. C'est pour ça qu'il faut marquer l'adversaire. Donc, Marticor a marqué, j'ai perdu 0-2 contre Dimitri. Bah, 10-2-0, GG. Ok, GG. Ok, c'est Idrin qui gagne 2-0 contre Kay, du coup. Confirmé par la Lumitril, ok. Mon tribu, c'est vraiment le pire que t'aurais pu. C'est bien Araka qui aurait joué Patrol, du coup. C'est ce que j'ai entendu. On va voir Araka, du coup. Apparemment, leur match-up avec Araka, ça s'est bien passé de leur côté. Là, Araka part sur son ancien Warrior. Non, c'est Big Ben qui part sur Ancien Warrior et Araka qui part sur Eldish. Parti sur Chien, il a l'anti-MP, voilà. Ça, c'est joué, voilà. Ah, ça sent PV quand même. Balerdo, je trouve bien. Hop, un Vox P du zombie. End phase à 1009 contre. Oh. Là, il y a des trucs. Là, il y a de la, il y a du contrôle et tout, là. Il manque juste ce terrain. Un bon terrain, ça aurait fait très mal. Araka, 500 PV, quand même. Elle est très bien, hein. Après, il n'y a pas encore d'anti-MP à nouveau. En fait, du coup, il va pouvoir jouer. Ça peut sacrifier, normalement. Voilà, ça va au KSP. Joue pas trop vite. En dev, voilà, ça s'est respecté. Hop, ça dégage. Lui, apparemment, il sert à rien. Quand il y en a toujours un, ça veut dire qu'il peut en faire venir d'autres. Là. Comme c'est pas un zombie, parce qu'il n'y a pas mon zombie. Il va y avoir du board. Hein. Oh ! Voilà les combos, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien, ça peut activer l'effet, ça met du zombie, donc du coup ça peut bannir derrière. Donc ça chaîne. Ouais, c'est logique, hein. Ça va jouer un peu vite peut-être, mais Doomkirn va bannir là-bas. Pas negate, hein. Ni sur le terrain. Il a negate. Il a misclick. C'est la misclick, ah, ça va coûter cher là. Ça va coûter très cher. Tu peux pas faire ça, tu peux pas misclick. Et bah si, il l'a fait. Putain, maintenant il a pas l'air de champ main. Ça peut exist, ça peut synchro. Entre 1005, c'est compliqué. 500 PV. Ça peut partir sur Utopie. Ah, c'est pas le bon. C'est le petit Utopie. Ah, il a qui tout double. Il a le qui tout double en main. Il pouvait pas partir sur Utopie double. Et le kit tout double qui arrive.
Logique. Ça retape à 5000. Alors ça se voit pas le demi. Sbam dans ta gueule. Il y a replay. Et il peut faire un double sacrifice. Il peut faire un double sacrifice Balerdoche avec les deux pièges. Il est pas mal encore Araka, il est très très bien. Lightning Utopie. De monter l'attaque à 5000, c'est encore jouable, c'est encore jouable. Juste qu'il arrête de faire le con. La 7, c'est la super 7. On va reposer chien parce qu'il reste plus qu'Utopie. Une carte face cachée, il faut faire attention, il y a toujours 500. Anti-MP, très bien pour gérer la carte face cachée. Ou un monstre aussi. Un effet de monstre, donc du coup il peut pas jouer avec Utopie facilement. Une autre carte face cachée pour invoquer SP. On peut même aller jouer comme ça, paf, reposer chien pour redescendre à 0. Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a de quoi faire. Il peut faire un... Ah non, il peut pas faire l'Exis. Ah. Il peut faire un double sacrifice et Exis 8. Partir là-dessus. Full death. Très bien, au cas où il y a un Lightning Storm. Et 2500 points de défense, sous le chien quand même. Bonne death. Donc Eddy, c'est fort. Hein. Rien qu'avec lui, il a 0. Carte face cachée, battle. Taper la 1008. Une phase. Ah, ça ouvre pas. Tu dois réactiver des effets derrière, ouais. Il va y avoir des doubles sacrifices. Invoke spell à un niveau 5. Ouais, il va y avoir. Ouh là là. Ah oui, oui, oui. Et là, le kill, il arrive. On fait un double sacrifice. Paf. On invoque. Fait truc, effet, effet. C'est parti, allez. Alors, faut aussi récupérer les dish pour déguetter l'MP. Hein. Il a 2 MP face cachée. Donc il part sur l'Exis d'abord, très bien. De toute façon c'est une 2005, en face s'il y a une 3000 c'est fini. On est à 5000 de dégâts. Il peut faire mieux, il peut faire beaucoup mieux. Avant que je mette un monstre. Il n'a pas activé ça d'ailleurs. Allez, tu peux en infliger des dégâts là, c'est jouable. On peut partir sur... Ouais, il va un peu partir double sacrifice, renvoi, un Voxpé à 3005. Il y avait plein de trucs là. Un anti-MP et tout. 2, 4, 6, 7, 1008, ça passe. Ouh, ah oui, il peut attaquer qu'avec. Ça se negate, ça c'est mal. Et tu vas le rechercher à nouveau. Mais une phase 2, double sacrifice. Oh, moi j'aurais encore parti sur Allez, encore l'anti-MP. On évite de le mettre en face parce que ça peut être Donc c'est le deuxième, hein. Ça sera le dernier. Ah, il le met en face, okay. En mode invoke spé, ça c'est... On aura toujours pas le fin mot de l'histoire de savoir qui de Kay ou de Araka a joué pas de patrol. Force un Voxpé. Un deuxième Eldish à la rigueur. Par sur Balerdoche. Okay. Là du coup il y a des effets rapides qui peuvent arriver. Faire gaffe. Ça c'est pas un zombie, il n'y a pas de terrain. Et le GG. Ouais c'était violé. Excellent. C'est dommage parce que il aurait pu avoir le kill plus tôt si il aurait pas mis Splendish. Franchement, la Banshee, elle était gratuite. Hein. Il a juste negate le monstre et au lieu de bannir ce qu'il fallait. Et là, il avait ce qu'il fallait derrière. Il avait monde zombie. En face, il s'est invoqué un monstre, ça s'est activé des effets. C'était fini. Enfin, c'est gratuit, là. Et il s'est suicidé comme une merde. Bon, heureusement, c'est pas le genre de misplay qui lui a coûté la game. Du coup, on a Hydrien, Araka, Big Ben, nanana. Du coup, Marticore est à sa première défaite. Big Ben est à 2 défaites. Kay est à 2 défaites. On va regarder le match-up des nulos. C'est pas normal.
pas normal. Big Ben, il s'est retrouvé contre Aydrin et Kay contre Martikor. C'est pas normal. Moi, je voyais plutôt, à moins qu'il y ait eu déjà un Big Ben. Non, il n'y a pas eu Big Ben contre Kay. Il y a encore des soucis. Hein. Sans déconner. Alors, Dimitri Laraka, c'est logique. Il y a des champions. Je vais rien spoiler, rien dire du tout. Je vais les laisser faire. De toute façon, il y a Laraka qui live. Et si Dimitri veut streamer, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il n'est pas comme ça, maintenant. On va partir sur un Martikor Kay. On regardera le match-up d'Dimitri Laraka à l'occasion. Je veux vraiment savoir vite fait si c'est si Kay joue l'Air of Darkness ou pas. On va voir ça. Et si on a le temps, on regardera le match-up, salut. On regardera le match-up d'Dimitri contre Laraka, savoir où ça en est. Mais je pense que je vais laisser tous les vues sur pour Laraka. Allez, Jirai, tu dégages. Après, peut-être que Kay va dire j'arrête le TK live. Post. Doc. Un trou du cul. Arbitre aux chiottes. Oh, chiotte l'arbitre! Oh, chiotte l'arbitre! Pingu! Pas de nouvelles de Kay. On va peut-être regarder un petit peu le match-up Araka contre Dimitri. Qui... C'est du lourd. Ginny Boy. En attendant. Perdre notre temps non plus. Hop là. Vous aurez une double musique. Hein. Non. Toujours pas. Ça aussi, Kay, il a du mal à aller jusqu'au bout. Hein. Alors, on a un opening magnifique de Dimitri qui commence. Exis, Link, Destruction. Et c'est zéro... Zéro case. Ah, Kay va arriver. La Kay. Allez hop. Au revoir. Hop. Match-up qui nous intéresse. Enfin, qui m'intéresse moi après Araka contre Dimitri. Bon, on voit déjà que Dimitri va lui laisser aucun répit. Tolérance zéro. Et c'est Kay qui jouait pas troll, et donc du coup c'était Araka qui jouait l'Air of Darkness, c'est bien ce que je pensais. C'est pas du tout le genre de d'Araka de partir sur du gros truc comme ça. Des moves aussi précis et incroyables, ça pouvait être que Kay. Mais je vais couper peut-être mon micro un peu, non ? Ça va bien. Raigeki de Martikor. Le Raigeki de Martikor. Ah, il est parti sur Dragon Maid maintenant. Alors, rappel, j'arrête pas de le dire toutes les semaines, mais entre deux matchs, vous avez le droit de changer de deck. Dans l'OTK Live, c'est une des règles spéciales d'OTK Live, c'est que vous pouvez tester des decks au début de tournoi. Si vous voyez que ça tourne mal, que vous n'arrivez pas avec ce deck là, vous pouvez changer. Vous n'avez pas le droit de changer par contre pendant le match. Vous avez le droit de changer entre deux rounds. C'est pour ça qu'on a vu Martikor jouer Eldish round 2 et jouer Dragon Maid round 3. Donc là on est sur la fusion de base. Ah. Donc il n'a pas copié Doc. Il s'est débarrassé de cuisine. Ça me choque. On a un Genex Undine qui pop du côté de Kay. Plus que 4 cartes par contre du côté de Kay. Côté de Martikor, il y en a 3, mais il y en a une qui est assez forte. Et là, elle se défend bien, mais d'habitude, je sais que Doc le joue souvent, mais il part plus trop sur celle-ci, elle part plutôt sur sa forme de draconique. Non, c'est pas troll. On a un mousse normal. Putain.
Découvre encore des cartes du deck de Kay sur son patrol. En Link 2 patrol, ça va faire mal ça. Blah. Comment patrol peut se retrouver avec trois navires de guerre dont la fusion? Je crois que c'est la fusion, elle a vraiment. Mais c'est vraiment des cartes ultra difficiles à récupérer. Hein. C'est que du secret, que du l'ultra. Mais c'est un bon deck très très fun à jouer. Franchement. On a fait un Link et du coup on repart avec une synchro. Hop, ça revient. On enchaîne les moves, ça se refait, voilà, ça se recycle, effet bateau. Des bordel, des fausses, hop, ça banni, sinon de magique, très bien. Rageki, sinon de magique, hein, du côté de Marticore. Il arrive pas à passer à 3000, mais bon, Patros, ça booste l'attaque aussi. Hein. Ok, lui qui va arriver, donc on va repartir sur Alexis derrière. Ça qui a été envoyé au cimetière. Hop, oh, la tuto, Kaiju, très bien joué. Oui, c'est Patrol Kaiju du côté de Kay. Pose 2, la fusion qui arrive. Ouais, on part clairement sur un petit OTK là. Hein, ça sent l'OTK là quand même un peu. Avec l'effet ça, ça qui est le truc. Ça va être le bordel. Du coup, sur un effet de monstre, ça peut dégénérer. Sur un effet d'MP, ça peut dégénérer. Enfin, après, Patrol, j'ai du mal à le maîtriser, mais voilà déjà. C'est un move T1, ça. T1 sur 6 cartes. Et magie, banni. 12 attaques, je crois, c'est ça. Ah non, ça équipe un truc, d'accord. Il n'y a pas de Link Patrol encore. Il n'y en a qu'un seul qui est là. Il n'y a pas un deuxième, heureusement. Oh, il a laissé Marticore. On sait qu'il allait partir sur Kaiju, etc. Mais en fait, non. Ah, ça, c'est choquant. Salon, je crois. Non, c'est pas ça. Si, c'est salon, ça. Ça, c'est maison. Salon. Ice Bloom, deuxième bateau. Enfin, il y en a trois maintenant. Trois bateaux. Ça peut faire Dex 6-8. Alors effet fusion. Alors là, ça va chaîner sur fusion normalement. La Vox P un Dex 6 dans ta gueule. Allez sur 3005. Non, ça repart sur Link qui a été équipé. Voilà, il y a du board. Hein. Patrol va partir sur X6. On va voir tous les bateaux de l'univers. Ou refusion. Allez, refusion. Regardez déjà le board, hein. 3005, 3000, 3000, 3000, hein. Ça empire au fur et à mesure. Hein. Plus il va laisser son adversaire jouer. Alors, truc, je crois que c'est non qu'un effet, c'est ça. Ouais, ça va. Bordel. Alors, le gros ton à 3005. Ok, alors ça niquait quoi du coup? Ça niquait salon. Ah ouais, du coup, il joue qu'avec un monstre. Le Dragon Maid part sur un seul monstre. Très très forte, hein. Le problème, c'est qu'il y a un Kaiju qui va arriver. Sur Kaiju, c'est le kill. Hein. J'ai envie de dire. Hein. Okay, bon, bah, effet magie. Enfin, moi qui a déjà Kaiju en main. Effet du monstre. Et c'est un Vox P salon. Il y a une 3005 pour la gérer. Kaiju à 2008, oui. Gros Kaiju en face. Donc la 3003 peut gérer la 3000. La 3005 peut gérer la 3000. La 3000 peut gérer la 2008. Retuto Kaiju. Voilà, un assez gros. Et là, on va partir sur la fin du board. Parce que là, c'est un petit board. Hein. C'est pas grand chose. Ça va faire un Link 2 derrière en plus. On équipe. Alors, est-ce que ça peut link, voilà, Link de patrol, effet patrol, X6, ou fusion à nouveau. On va avoir du gros ton encore à 3005. Il y a deux synchros et il a déjà utilisé deux fusions. Il peut pas X... voilà. Là, il a les trois.
Ça a dégénéré là. Effet bateau. On défausse. Ça dégage. Hop, réinvoque le gros cas, il joue à 3000. T'es mort. Ouais, on fait souffrir encore les bêtes, c'est très bien. Et vas-y que ça refait des lignes que 4, allez, on voit. Ah, ça battle direct, ouais, on s'en fout, on garde le Kaiju au cas où. Voilà, c'est plus qu'une sous 2000, là, c'est... Zbam. Oh, 5005. 5000. Regardez les monstres. N'importe quoi. Mec, il avait un board à plus de 25000 de dégâts. Le Morticore, il est sur le cul. C'est toujours sur lui que ça tombe, les gros boards de la mort. Moi, avec un piou-piou, j'ai infligé plus de 15000 de dégâts. Mais ça, c'est ce qu'adore Kay, hein, avec son chevalier noble, c'était pareil. Hein. Il aime bien avoir des gros boards bien remplis, avec un full monstre qui sont à des attaques qui montent. Alors, pas troll, c'est du pain béni pour lui, ça se voit. Il le maîtrise super bien. Ah, la petite dernière, la chamber. Pour la fusion. Alors, le gros. Et ça a une phase. Alors, une carte face cachée quand même. J'espère qu'il a de quoi jouer. Voilà, on part sur le même move que tout à l'heure. La pupute. Ah ouais, là, ça... Regardez le board quand même. Incroyable. Hein. Mais comme j'ai dit, pas de patrol IRL, c'est... Je pense que ça va être cher aussi. Et comme j'ai dit, c'est que d'ultra, que des secrets en booster classique. Il faudra attendre des team box pour pouvoir avoir l'occasion d'y jouer vraiment. Sachant que moi, je possède deux fois le Link. Et une fois ou deux la synchro. Je peux pas du tout le jouer. Link 2, ça part en couille. C'est parti. C'est énorme ce deck. Après, est-ce qu'il a encore un patrol en main? Il a peut-être besoin par la Link. Hein, parce que c'est bien de voir le deck qui tourne, mais j'ai du mal à savoir les costs, les conditions, les monstres qui ont le droit d'attaquer, ceux qui n'ont pas le droit. Toujours ce défaut, moi. Et en face, ça n'a pas encore activé l'effet de Strat. C'est vrai que Kay, il fait un petit peu gaffe, il joue assez lentement exprès. Patrol. C'est chaîné. Il attendait que ça. Il attendait que ça. Et voilà, la forme humaine. Ça recycle et là il va pouvoir refaire son move pool. Quand il n'y a plus de monstre sur le terrain, et je crois que c'est au foolish. Alors. La magie, ça c'est bien. Double pupute encore. La fusion va équiper. Oh là là, ça va équiper à nouveau la Link. C'est ça? Non, depuis le deck même. Ok. Et l'adversaire ne peut pas le cibler avec des effets, sachant que pour le moindre effet de magie... Oxpé. Relink 2 avec l'équipement derrière. Faut passer petit salé. Volanté qui est là.
Waouh. Il est fusion, une phase, ok. Donc la Cade n'est pas bien du tout, et donc Marticore a l'avantage sur la simple fusion. Et ça peut repartir en couille rapidement. Le patrol qui va envoyer. Il va partir sur la synchro ou la fusion. Et la fusion. Alexis. Ah, ça fait quoi déjà Alexis? On va piocher 1. Ok, ça bannit... Ça veut dire que s'il joue avec... voilà. Nerf, c'est très bonne carte. Sur elle, effet. Ash Blossom, très bien. Très très bien. La fusion. On en main. J'ai fait l'invocation normale. Et maison. La fusion, on refait la même. Et tout son deck, mais ça c'est normal, parce qu'il y a toujours ça qui passe. La 3-5 va negate. Oh là c'est bon, je crois, c'est les Marticore qui va l'avoir. Je peux pas gérer. Oh, il a pas activé l'effet de Nurse. Moi qui pouvait pas, je sais pas. Et on était sur du 3-5 plus. Beaucoup plus ça. Pas compris. Sodomie surprise. Moi qui peux pas blablabla. Ah, il pouvait hein. Leviosa. La magie. Welcome. Un gros kaiju à 3003 pour gérer la 3005 qui va éviter de jouer avec maison. Ça peut enchaîner sur Lightning Storm. Attention. Le terrain. Compliqué là. Maintenant il y a une carte face recto, donc il n'y a pas de Lightning Storm. Ça active l'effet, ça a défaussé un patrol, donc du coup il va y avoir du move pool qui va sortir. Mais ça va être assez dur quand même pour le peu qu'il en reste. Effet. Et pupute en plus. Du cimetière. Bordel. Ah ouais, elle est forte, hein. Ultra forte, celle-là. Elle monte niveau 4. Oh, on peut partir sur Kitoudou, il se fait baiser. Mais c'est pas son genre. C'est pas le genre de Kay. Il y a toujours deux cartes face cachée, dont Welcome, j'imagine qu'il est resté. Effet pour aller extra deck. Effet. Pas de collège. Je pioche 1. J'aurai 3003. C'est le problème. Je suis un. Oh, quoique quand même. Il y a deux 500 points d'attaque là, c'est dommage. Le problème c'est que les deux ça peut être remplacé par un gros ton derrière. C'est le problème. C'est que le Kay était pas bien. Pas bien du tout. Du tout, du tout. Donc, je pense que ça va être Kay qui va ouvrir les hostilités cette fois parce qu'il avait clairement l'avantage. Laisser Marticore commencer, je pense pas. Je pense qu'il va créer un board qui va vraiment mettre la pression. Et il faut prier que Marticore n'ait pas de fusion. Attends.
La 3005 elle est vraiment forte. Côté patrol, c'est un gros board ultra difficile à placer quand même. On finit avec une bonne musique en plus. Invocation normale qui va aller chercher la fusion. Dur de vouloir contrer. Pas de battle, donc du coup, la fusion, on se débarrasse de deux, on a la 3005. C'est un bout classique. Ah, il est parti sur maison. D'accord. Ah, il a pas de gros. Ça veut dire que c'est mal joué. Pas de gros. C'est dur sans le gros là. Pas de gros dragon là. Only one. Only one fait très très mal sur le patrol, j'imagine. Du coup, ça peut qu'elle joue. Ça peut qu'elle joue en face. Il va y avoir un battle de Kaiju. Sur le battle de Kaiju, il se fait baiser en fait, Marty. Il a juste l'air con. Moi. Interruption de sommeil Kaiju. Il part sur un patrol. C'est un démon en plus. C'est un fiend. Non, c'est un fiend. Ah si, c'est un fiend de haut. Pas de patrol en fait, c'est des démons de l'eau. D'accord. J'apprends le lore. Et c'est des vikings ou des pirates, je sais pas ce que c'est, mais. Continue à me dire que Battle de Kaiju, ça serait cool. Ah, après, il peut faire interruption de sommeil Kaiju après l'invocation. C'est un peu bizarre de jouer Only One. Ok, voilà, il est surpris. La double tranchant, hein. Là, l'Only One. On le sait pas tant que ça. Quand même. Articor vient de jouer sur l'effet de surprise sur Kay, c'est bien. Champion. Sodomy surprise. Le problème c'est que voilà, il joue que Oost. C'est que du Drake du côté de Articor. Du coup il est limité à la 3000. Alors que là ça va partir sur des effets puisque il y a un monstre dans le cimetière, c'est tout ce que voulait Kay. Hein. Donc, cette fois il a chopé, j'espère. Ce qu'il voulait, à savoir un beau Kaiju. Ash Blossom, très bien. Très bien. On voit les ressources de Marticore en plus qui sont nulles. Donc, du coup, l'Only One est vraiment fort. En même temps, j'aime bien jouer des cartes pas communes. Réponse de Marticore. C'est pas commun pour Dragon Maid. Alors du patrol, effet patrol, invoque plus patrol. Même, il y a toujours un niveau qui gêne. Et t'es invoqué spécial. On attend toujours une interruption de sommeil Kaiju pour vraiment tout niquer. Oh, faire du synchro. 21h. Envoyez ça. C'est des fiends. Ah, ça peut link 2 défausser. Ouais, ça peut link 2 là. Link 2 phoenix, ça peut dégénérer là. Recyclage en plus, c'est trop bien. Ouais, ça peut phoenix. Et une phase du coup, ouais, d'accord. Ça aurait pu phoenix. Phoenix, c'est pas un. Non, c'est une bétalie ou un fiend? C'est un fiend, c'est juste ça. Phoenix, c'est moi, je bouge ça. Alors que ce demi-surprise! Ah, on a décidé de me troller du côté des musiques.
Un phénix est un fiend. Oh, quel dommage. Il peut pas aller chercher. Alors, piège. Oxp. Toujours un fiend sur le terrain. Peut toujours pas s'occuper des MP. Donc là, on a un beau dragon en face down. Ça va bien avec Dragon Maid, la musique. Donc là, il est en train de recycler tout son deck le plus possible pour avoir un putain de kaiju. Le terrain du coup, cache terrain, hop hop hop, pass down, cache son terrain. Partez pour 2 heures de match-up, 2 heures de musique en boucle. C'est le only one qui paralyse la game, hein, j'ai envie de vous dire. Ça paralyse les deux joueurs, hein. Il n'y a que du Drake face down, c'est des petits cons. Donc du coup, il va pas aller chercher de fusion supplémentaire ou autre. Et il y a juste une première sur le board qui met la pression, alors que il peut être sacrifié. Hein. Il peut être sacrifié, ça peut clean le board, ça peut très vite partir. Donc Kay va chercher un kill. Là, il va laisser, parce que le only one, à part... Ça fait pas grand chose, hein, le only one. Kay a deux possibilités. Soit il arrive à se débarrasser d'elle, il a un gros ton et le only one va paralyser Marticore. Sachant qu'en face, ça joue quand même du Raigeki. Soit il arrive à trouver une solution pour gérer et le only one et les cartes face cachées. Jouer un interruption sur Bekai joue et partir sur un move pool patrol pour OTK. Donc à lui de voir. Les abyss player. Ah, pour envoyer l'équipement, d'accord. Au terrain. Oui, il va laisser tout face down pour forcer un lightning storm. Non, même pas. Oh, j'ai de la merde. Merci, au revoir. Carte piège. La battle. Évidemment, ça va éviter de gérer la face recto parce que s'il y a une fusion et qu'il y a la 3005, c'est encore pire. Donc il va laisser filer. Ah, je pense qu'il cherche le kill. Hein. Les deux cartes face cachées, c'est vraiment des petits. Là, il n'y a que du gros. Articore fait beaucoup de misplay. Hein. J'espère qu'il a gardé une petite quand même. Hein. Toutes les petites faces d'or ne servent à rien. Quoi. Quand tu sais que ça joue du kaiju avec sommeil. Et je pense que Kay, l'erreur, ça serait de se débarrasser de l'Only One qui paralyse aussi Marticore. Et il faut, c'est un gros ton pour que la 3000 ne passe plus et que petit à petit, il va fatiguer Marticore.
ça commence à être un petit peu long et c'est Kay qui a le désavantage des PV plus un round du côté de Marticore. Donc Marticore peut gagner 2-0 à cause du time. Côté du matchup, on en est où? Ah ouais, on attend que Marticore et Kay. Il est en train de... Ça discute beaucoup, hein. Du côté du chat. Pas qu'ils sont pas en train de coacher Marticore, c'est pas drôle. Il sera feu, ton monstre. Feu. Je me quitterai à mon enfer, c'est un message subliminal. Oh, d'accord. Oh, mouillez-la, elle a trop cramé. Ténèbres, vent, tout sauf lumière, divine. Je veux qu'il soit divine. C'est Dieu, c'est une déesse. On défaut du terrain. C'est très long. C'est très très long. Après, la grande question, c'est est-ce que Kay a de quoi se débarrasser d'Only One? Dans quel cas, ben, faut qu'il arrive à gérer une 3005 plus tard. Et c'est juste des grandes questions qu'il faut se poser. C'est est-ce que Kay a de quoi se débarrasser de la MP? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il a de quoi gérer une 3005 sur le long terme? Je pense pas qu'il va arriver à avoir le kill. À moins qu'il va jouer le time dans 10 minutes. C'est dans à peu près 10 minutes qu'il va falloir jouer de time. Alors que voilà, Marticore petit à petit à chaque tour, blum, blum, blum. C'est quand même frustrant, hein, que c'est Only One qui paralyse toute la game et que c'est celui qui a foutu la merde qui a l'avantage, quoi. C'est pour, hein. Surtout quand la carte en question paralyse les deux joueurs. C'est même pas une carte qui paralyse un des deux joueurs, ça paralyse les deux joueurs. Et que c'est celui qui a foutu la merde qui a l'avantage. Mais c'est l'avantage de l'avoir activé après. Alors que voilà, Kay est en train de préparer toutes ses ressources. Hein. On est à 6 cartes. Battle, hein, évidemment. Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes. Donc, du coup, il a plein de petits, plein de grands. Là, on part sur un OTK. Dès que l'Only One il va tomber, ça va s'accélérer net. Il y a déjà beaucoup de boards. Il n'y a plus beaucoup de cartes. Vent! Putain, il a remis feu! Oh, cramez-la! J'en ai marre! Ah, il n'y en a plus. Hein. Dernière fois, feu! Alors, cette carte en main, est-ce qu'il a interruption de sommeil Kaiju? Est-ce qu'il a un Kaiju? Est-ce qu'il est dragon? Il n'y a pas de Kaiju dragon. Effet terrain, ça débarrasse de H-Blossom. Après tout, ouais, ça changera pas grand chose vu qu'il reste plus que 27 cartes dans les deux decks. Enfin, 27 d'un côté et 21 de l'autre. La 20ème carte. Il peut pas se prendre de dégâts. Hein. C'est impossible qu'il doit se prendre de dégâts. Si N phase, c'est le kill qui peut arriver. On est sur double. Ok, on a deux. C'est un Fiend. Ouais, c'est un Fiend de base. On a un Kaiju depuis un bon bout de temps en plus. La pioche. Battle un des deux face down du coup. Ça va bien équiper. Demi 5. 3000. 3005. 4000. 4005. Battle face down. Donc maintenant c'est Marticore qui perd l'avantage, mais il a toujours l'avantage au PV. Et là, sur d'autres cartes équipement supplémentaires, on a un gros monstre fusion qui peut faire très très mal. Une H-Blossom, très bien. Très bon choix, monsieur. Très très bon choix. Je m'attendais à du petit Dragon Maid pourri. Non, il a mis un H-Blossom.
a le besoin de mettre en mode attaque et taper, mais on... Pas, hein. Je pouvais pas faire de synchro quoi que ce soit. Bon bah... Talon en def. Ça sera duré s'il continue avec d'autres patrouilles qui pourraient arriver à tout moment. Ça peut faire très mal. Une 4005 à gérer. Bon courage pour Marticor. Et tout ce que voulait Kay, c'est un gros ton maintenant. Il arrive à gérer la 3005. Donc ça, ça répond à la question du... Je vais garder l'only one. Et en face, une 4005. Et il y a Rageki du côté de Marticor maintenant qui attend. Que Rageki dans la main phase à mana, lorsqu'une carte MP est activée, vous pouvez défausser une carte et négate l'activation. Ouais, en fait, il a un gros ton qui peut négater des trucs. Donc, du coup, il faut un double Rageki. Là, du coup, il va gérer, il va pas gérer salon. Hop, on joue avec ça. Hop, 2005. Il est en train de jouer avec lui. Hein. Effet 3005. Donc t'as 4005 à nouveau. Faut pas se permettre de le garder à 3005. Hein. Il est obligé de partir sur... Il battle la face down. Un dragon, logiquement. Mirror. Ça n'a pas été negate. Une phase 2. Il y a beaucoup de cartes comme ça du côté de Marticor. Il est parti sur un monstre face down et par contre je crois que Kay a perdu du coup. Sur un move, c'est un coup de pute quoi. Dommage parce qu'en jouant avec la face down, il pouvait avoir son terrain face down à nouveau et du coup partir sur un Lightning Storm. Je sais pas pourquoi il les a pas mis dans ce deck. Après c'est vraiment un deck qui est parti pour le move pool plutôt que sur le team de bord. Là il va se prendre 3000, ça peut faire mal, il est obligé d'invoquer SP. Sur 1000 de dégâts, ça peut aller vite. Hein. Ah là c'est fini là, c'est le damage step, hein, c'est l'OTK. Blah. Ça c'est à 5000 en plus, heureusement qu'il n'a pas attaqué salon en fait depuis le début. GG de Marticor sur un coup de pute only one, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors on va vérifier les résultats. On va essayer de déterminer les résultats du coup. On a un Marticor avec 2-1 du coup. Il gagne 2-1. Kay, non, il est pas top 3. Donc c'est David Mitri qui gagne le tournoi sur 2-1. Pour dire que c'était un beau match-up, hein, j'imagine. Mais David Mitri, je pense qu'il a pris le premier round vu le board qui était parti. Et Raka a pris le deuxième. Je pense que c'était parti là-dessus. Donc c'est un truc qui joue au dé, en fait. Elige contre Dino, c'est celui qui commence qui gagne. C'est ce que j'imagine. Peut-être que ça s'est passé différemment, je ne sais pas, mais je verrai peut-être la relief. Mais bon, j'ai déjà Dynasty Warrior, regardez, merde. Puis j'ai du Minecraft à faire aussi. Enfin bref, Araka deuxième, ça a l'air bien parti. Là. Araka deuxième. Ah, quoique Marticor peut lui avoir piqué le... Ah, oh, Marticor lui a piqué la deuxième place, je crois. Il y a eu un 2-0, une défaite 2-0, et une victoire 2-1. On va recalculer. Alors, 2, 4, 6, 5... 2, 4, 6, 5, 4. Ah, c'est la victoire 2-1 de Big Ben qui me fait peur. Là, il a gagné 2-1, Daimitri a gagné 2-1. Non, c'est Araka qui est deuxième. Je dirais Daimitri, Araka, Marticor. Je refresh pour être sûr. Daimitri, Araka, Marticor. On est bon. Donc, Big Ben, quatrième. Idren. Cinquième, et Kay qui est avec son pas de patrouille qui pourtant avait fait v'là des trucs, v'là des moves de ouf. Père, ça c'est vraiment dégueulasse. Je trouve ça pas de chance. Et donc, Araka qui avait gagné 2-0 avec son Lair of Darkness. Parti avec Lair of Darkness. Et c'était Araka qui jouait Lair of Darkness. Donc il y avait bien eu le truc inverse. Je voyais Araka jouer pas de patrouille, ça me choquait. Comme je l'ai dit, j'avais jamais vu Araka se vanter, etc. On va pouvoir partir sur le débrief et après on va passer sur ce que je voulais faire aussi ce soir. À savoir un petit à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Hors série. Mais avant toute chose. Heureux. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Uri? Petit débrief. Oui, alors t'en as pensé quoi, toi? Parce qu'on t'a pas entendu, donc. Bah, fallait suivre le live, mais bon, t'étais occupé à te battre.
Alors, on a voulu jouer l'Arm of Darkness au premier round, sinon. Bah oui, pourquoi? Non, parce que j'avais vu un truc, en fait, il y a eu un bug d'affichage et je voyais Araka jouait pas de patrol et puis jouait l'Arm of Darkness. C'est bizarre. Araka, il s'est pas vanté qu'il testait pas de patrol envers moi. D'habitude, ils vont toujours dire j'ai testé tel deck, je jouais tel deck avant de jouer en tournoi. Ouais. Et là, j'ai effet de surprise, j'ai vu un pas de patrol. Un pas de patrol qui tourne bien quand même, hein, franchement. Ouais, oui, il a pas eu cul, hein, franchement. Mais c'est vrai que c'est le style de Kay, hein. Y a pas de doute. Hein. C'est comme son chevalier noble. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Dimitri de Big Ben. Big Ben, ben, je veux dire, on a vu dès le round 1 que tu allais bien en chier grave. Ouais. Et là, on a l'opening anti-effet de monstre double, plus. On pouvait pas jouer. C'était impossible. Marticore et Eldrin, j'ai pas vu grand chose. Et je crois que Marticore, toi, t'es parti sur 3 decks différents, si j'ai bien vu. Ah non, double Eldish et. Et ensuite, et un Dragon le dernier, j'ai fini. Une Dragon Maid, ouais. Que j'ai regardé après à la fin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Kay Eldrin, j'ai pas vu. Araka Big Ben, j'ai pas regardé. J'ai vu un. Non, c'est Araka Big Ben que j'ai. Je sais même plus qui j'ai regardé. J'ai regardé un. Je crois que c'est Dimitri le Marticore que j'ai regardé après derrière. Et ça a bugué, je crois. T'as pas bugué de votre est-ce côté que t'as vu un Eldish contre un Senka J'ai pas fait attention. Je pense pas parce que sinon il aurait déjà répondu. J'ai même plus fait attention au deuxième round, je sais même plus. Je sais qu'il y a eu un bug au deuxième round. Ah donc c'était pas avec moi, c'était avec toi Ben. C'est qui a mis un bug? Non, c'était Marticore, je crois, qui a mis un Ben. Je crois qu'il y a eu Kay Eldrin et Dimitri de Marticore, je crois. C'était les deux match-up qui ont bugué à ce moment-là. Je sais pas du tout, j'ai eu un match-up entre moi et David. J'ai eu un match-up entre moi et David où on a eu un ouais. Heureusement que c'était à la fin du jeu, d'ailleurs. Ouais, il y en avait un qui dominait l'autre à ce moment-là, je crois, en plus. Ah non, mais c'était fini. Mais... Ouais, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'est bien ton match-up, Dimitri de Marticore, que j'ai vu et que ça avait bugué. Après le bug, je crois que j'ai pas suivi si vous aviez continué ou pas. Non, si c'est déjà en 0 et David, complètement. Et après, bah, j'ai bien choisi, j'ai choisi Marticore, Kay au troisième round. Dimitri et Araka, je peux pas le regarder puisque toi, Araka, t'étais en train de live, j'imagine. Donc, je pense que on aura vu ce match-up. Bon, après, Eldrin Big Ben, je sais pas si ça s'est bien passé ou pas. Eldrin qui jouait. Qui jouait quoi déjà? Kenny. À Eldrin contre moi, il a joué Simorg. Simorg? Oh, lol. Ouais, contre moi, il a joué Teddy. Ouais. Je sais pas ce qu'il a joué dans notre manche. Bah, contre moi, le truc, c'est que. Bon, il m'a posé problème avec Miss Valley des Brumes et puis la Link Simorg, mais sinon, me poser, comme j'ai dit à Araka, une statue barrière spéciale vent, moi, mon Senka, il y a du vent dedans, donc ça me gêne pas du tout. Ah ouais, c'est pour ça qu'il avait marqué... Attends, c'est quoi qui prend, qui, je sais pas, qui est dans sa baignoire. Il est en train de souffler, là. C'est pas moi. Doc. Ouais, c'est toi. C'est Doc. Que j'ai fait encore. Bah, je sais pas. Mais je suis content, j'ai surpris Araka. Ah oh, ouais, non, mais. Au bout de l'aventure, entendez qu'un. Bah, je crois un peu, Araka, t'as chopé de l'adamantia en face dans la gueule en mode troll. Contre le patrol, t'es tombé sur ouais, le big boss. Contre Big Ben derrière, mais franchement, t'as fait du clin d'œil. Hein. Bah, contre Araka, ça a fait. J'utilise Quick Lunch. Quoi? Du Rocket? Quoi? Du Adamantia? Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Et ton deck, il tourne mieux comme ça. Bah, en fait, la semaine dernière, contre toi, j'ai voulu tester Zung. Zung D, le nouveau qui est sorti. Après, bah, tu m'as bloqué, je sais plus quoi. Et à la deuxième manche, que des magies. Oh, oh, alors que là, j'ai rien changé du deck de la semaine dernière. Oh.
Oh, moi j'ai joué quoi, un Lair of Darkness et deux fois Eldritch. Toi, je joue Eldritch contre vous, parce que je sais que vous jouez des gros devs. Après, j'ai pas compris tes move pool à base de Mine Mystique, Roller of Darkness derrière un moment. Là, c'était bordélique. Ah bah, sans ça, j'étais mort. C'était compliqué, tu voulais tenter des moves, mais c'était pas le moment encore. Et tu t'es retrouvé avec tous tes terrains en main à les activer en boucle. Enfin, c'est... Ah ouais, c'est passé mon l'air à ma façon. Ouais après, bah, il a gagné après. En fait, c'est à cause du misplay. En plus, c'est très bien joué de ta part. Hein. T'as fait super poli Moudragon passe ténèbres, l'autre titre le Kaiju, donc du coup, tu te retrouves avec 2-3 000 sur le board. Et un Mirror Force. Et le Mirror Force, je pense que Kai, il doit être bien énervé parce que Martikor, pareil, le Mirror Force. Ouais. Il a subi tous les Mirror Force de l'univers, et plus des virus. C'est pas son jour, Kay. Non. Et Only One, Martikor, franchement, t'as abusé. Ah, et quand même. C'est passé. Dragon Maid, avec un... J'essaye des ça, je me dis, bon, il va être aussi emmerdé que moi si je go first, que je sors intuition, et puis basta. Voilà. Et j'ai pas... Je voulais sortir Thrall, j'ai pas pu. J'ai sorti Maison, et j'ai dit, bon, je fais Eric. Donc, premier coup, il fait des bruits bizarres. Je l'entends quasiment pas, mais je l'ai remuté du coup. Bah non, il se file live dans la douche. Ah, je pense. Allo, Doc. Et c'est pas parce que j'avais marqué au shot l'arbitre qu'il fallait le prendre au sens propre du terme. Non, il y avait du Dragon Maid, donc c'est une douche froide. Une douche froide, oh là là. Ça prend plein la gueule, pauvre Doc. On l'entend pas. Je veux dire, il doit y avoir des parasites dans ce micro. Il prend sa douche avec son PC. Ouais, il doit être complètement vrai. Il n'y a plus de micro, il est mort. Ton micro, il est mort, Doc. Oui, il y a un bruit derrière. Ah, tu fermes les oreilles, non ? Bon, enfin, bref. Bon, bah, c'était sympa, mais au bout d'un moment, je me dis, mince, Dimitri est en train de réfléchir alors qu'il y a clairement l'avantage. Je comprends pas. Là, je lui dis, bah, attends, il y a le time des deux pros, là, c'est pas possible. Et c'était le bug. Là, j'aurais pété un plomb. Ça, je me dis, merde, je vais avoir une déco. Ma box a recommencé à faire des siennes. Je regarde ma box, il n'y a rien du tout, je comprenais pas. Oh non, c'était moi. C'est... Des fois, en fait, je me trouve déconnecté du serveur EU. Et je peux plus me reconnecter du tout. Je suis obligé de couper, de relancer. Ah oui, à ce propos, un autre détail pour toi, Martikor. Lorsque Dimitri est parti sur Trishula, t'as pas pu activer tes MP Eldritch du cimetière ? C'est que à la end phase qui peut. En fait, non. Ceux qui sont pas à la end phase, c'est durant ton tour. Hein. Et ceux qui sont à la end phase, c'est que à la end phase. Micro, Doc, mets-toi en push to talk, s'il te plaît. Parce que j'ai mal aux oreilles. Sinon, tu mutes. Mais du coup, tu ne l'entendras pas parler. Ouais, c'est un problème. C'est ce que j'ai fait moi. Donc, si Doc qui parle, vous me prévenez parce que. Désolé, Doc. Hein. C'est pas voulu. Moi, c'est pareil. J'ai muté Doc, désolé. Oh ouais, oh putain, ça fait du bien. Un problème de micro. Putain, tout le monde a muté. C'est dégueulasse, arrêtez. Moi, ça me fait. Je le démute, mais je baisse son volume. Voilà, comme ça, je l'entendrai, mais il faut qu'il crie. Et s'il crie, il se fait engueuler. Minimum. Ah bah, il est même parti. Vraiment désolé. Non. C'est pas en mal, hein. Franchement, c'est pas en mal. Surtout qu'on l'a. Je l'ai quasiment pas entendu. Surtout pendant le débrief, j'aurais aimé avoir son point de vue parce que lui aussi, il aspecte pas mal de matchs avec moi. Bon, bah, si vous avez rien d'autre à dire, moi je passe à la suite de mon côté. Je pense que vous allez faire quelques parties à la rigueur. Müller. J'en ai un. C'est juste. Araka, tu m'as demandé pour l'enfer verte. Green Hell. Ah, le jeu, oui. Je crois que je vais passer là, le truc. J'ai regardé un gars qui a fait un let's play qui date d'il y a 2 semaines. Tous les 2 minutes, t'es obligé de te vérifier pour des sensus. Non. Ah bah oui, c'est ça. Non. Pourquoi t'aimes pas les sensus ? Non, c'est même pas ça. C'est genre. Bah, c'est un jeu de survie. C'est dans la jungle. Et... Je vais être là. Une épisode. Et le gars, si ton gars, il se balade à chaque fois dans l'eau, c'est un peu normal. Non, non, tu les as même quand tu vas pas dans l'eau. Non. Si. Le mec qui se baladait, il va même pas dans l'eau, il est juste dans les arbres et compagnie. Oh, j'en sens su. C'est dans un jeu ou c'est dans la réalité ? Je vous comprends pas trop.
Non, laisse, Rory, toi, faut pas que t'écoutes parce que ça te spoil. Ouais. Ah bah oui, mais si vous parlez devant moi aussi. Ah non, c'est bon. Vous posez juste la question de savoir si vous allez game une partie ou deux ou autre. Non, non, non. Et non, Doc, j'entends plus les parasites en tout cas. Je vais aller sur ton stream là pour ton truc. Ok, ça marche. Moi, je pouvais rester faire une game ou deux à la rigueur. Hein. Le truc qui va durer. Non, ça dépend, bah, après, ça dépend qui continue quoi. Ah, moi j'ai éteint mon PC. Voilà, donc Ben il va s'est arrivé, il va peut-être me regarder à la rigueur. Ouais, bah je vais faire pareil, j'ai le dodo aussi. Ah, dodo d'Aimitri. Voilà, bah j'arrive, oui alors. Moi c'est pareil. Allez, bonne nuit tout le monde alors. Bonne nuit tout le monde. Ah, c'est le déconfinement, hein, ça se voit qu'il y a des gens, ils ont de la vie à faire maintenant, c'est reparti. La vie active. Pour ceux qui bossent. Eh ouais. Donc Dimitri, on va peut-être bientôt plus le revoir, à moins qu'il est encore motivé à continuer de faire l'OTK Live. Les balades en forêt, c'est bien. Je bosse plus, donc... En plus. J'avais oublié. C'est juste avant le confinement, en plus. En fait, j'ai mon contrat, ils ont mis fin à mon contrat au moment du déconfinement, enfin du confinement plutôt. Ouais, je m'en rappelle, mais j'avais en tête que tu avais eu un rendez-vous ou quelque chose. Ouais, j'aime bien toutes les semaines. Mon Gado est toujours là. Hein. Bon, pour l'instant, je suis dans l'expectative, mais je suis pas trop pressé, ça. Toujours ton cadeau d'Aimitri, et plus ça va, plus j'ai envie de l'ouvrir. Quand même du. Des duels surcharge, j'ai des cartes que j'ai pas. Hein, donc Je t'autorise à l'ouvrir et tu peux prendre mes cartes. Ça veut dire que je vais faire d'abord une ouverture et après je vais faire. un maroc. Bah tu me dis quoi, tu vois, on va rester en channel si t'as le temps encore de rester éveillé pour que je te montre les cartes que je t'offre. Tu te sens chaud ou pas? Non, tu l'ouvres pas, c'était juste pour la blague. Oh. Bon, je l'ouvre pas. Oui, parce qu'on l'a jamais changé. Moi aussi, je. Ah, j'ai toujours tes cartes au cas où, ça y'a pas de problème. Allez, ciao. Allez, tous, ceux qui s'en vont. Oui. Waouh, regarde, il a 3 maintenant. Ori. Allez, va redescendre aussi vite. Oui. Non, parce que j'ai dit que j'avais des viewers qui chez Fabien. Ouais. Alors, Araka, au cas où tu es encore sous mute, Doc, il y a Doc qui communique, il n'y a plus de parasites. Oh non. Non, non, oui, je sais, je l'entends. Oui, donc arrivé là pour chez Fabien, c'est moi qui conduis. D'accord. Oh, ça m'arrange. Ça, donc, je vais pas revoir la route, etc. On verra ça, mais ça sera du... Bah, là, mon Didier du 9... Par contre, du 9 Rory, il reste pas dodo, mais il rentre le soir. Juste pour te prévenir. Ouais. Donc, ouais, c'est... Doc, il repart aussitôt le soir, c'est ça? C'est ça. Ok, ouais, ça m'arrange aussi. On va repasser deux fois à mon Didier. Non, oui. C'est pas... Il parle deux fois à mon Didier. Tout j'aime bien passer par mon Didier. Comme ah, pour aller chez toi, on passe par mon Didier, non? Tu passes plus par mon Didier, toi? Mais qu'est-ce qu'il a avec mon Didier? La petite route de mon Didier. Avec ce rond-point. Et le zizi qui est en l'air à la fin. Parce qu'une grosse descente que j'ai foncé, il y avait Jean-Jean à l'arrivée. Ah oui, là, on pourrait être bien, on va faire. Bon, enfin, bon, ça part un peu en couille, ce que je viens de dire. bah, du coup, vous faites quoi? Est-ce que vous game un peu? Est-ce que je passe à mon truc? Dans tous les cas, je vais le faire. Donc, ah non, bah, je te regarde. Après, si tu veux game, Ori, viens, on dure à deux. Game, si game. Bon, on a le temps d'une partie, dans 20 minutes maximum. Après, je vais faire une demi-heure, une heure de... Il faut aussi que j'uploie de la vidéo de l'opening de la semaine dernière. Hein, ça, j'oublie pas, Doc. Et comme t'as sorti déjà deux vidéos pour Utopia Rainbow, j'ai... Oh, on va attendre un peu. Hein. Parce qu'un coup, on a un mois d'inactivité, un coup, on a plein de vidéos qui sortent d'un coup. On sent que le déconfinement, pouf. Ah, bon, allez, bonne soirée, les gars. Tchou, Doc. Tchous. Bon, bah, allez, une petite game, allez, pour le fun. J'ai joué fun. Enfin, fun. Fun? Ouais, je l'ai pas joué, ce deck-là. Je vais voir si je l'ai bien fait ou si j'ai fait. Asuna, elle est sur mon compte Araka, puis elle te nique ton chat. Allez. Bah par contre, je mets pause sur ton stream. Des chiens, des chats. Je host Ori, si tu veux. Oh, ouais, parce que je suis en train de l'actualiser. Voilà, c'est juste pour m'entraîner avec un deck. Surtout pour ça.
Il est un peu fort ou pas ton deck? C'est pour moi savoir. Logiquement, il est censé être fort. Mais c'est la première fois que je vais le jouer. Donc Je vais prendre ça. Je sais même pas si c'est fort ou pas. Ciseaux. Ciseaux. Oh merde. Mais tu sais, je fais feuille après. Alors, excuse-moi, je suis en train de lire. Hein. Putain, ouais. Mon gars, la victoire de David a été belle. Je lui mets Doom King et tout, etc. Puis après, il fait Evenly. Wow, si you again, ma foi, il parle sur ça. Adam, mon tueur. Sort de mini truc. Ok, ouais, c'est vraiment très fort par rapport à ce que j'ai pris. Le test. Ah, faut que je les trie aussi. Ça, ouais, tu les mets en dessous. D'abord, faut les target, après les trier, d'accord. C'est qu'il fallait les choisir un peu. Bon, tant que tu fasses tous tes moves, parce que ça va durer 4 heures. Bon, oh, que dalle, non, ça t'inquiète. Ça va être rapide. T'as mis une pierre, tu penses bien? Oui, j'ai mis, bah oui, quand même. On va prendre la bleue, évidemment, hein, pour piocher. Et 4 autres, on les met. De toute façon, ils sont en dessous. Oh, j'ai chopé un bon truc, dis donc. On va faire un move classique. Ça sera un petit move. C'est quoi ça? Ah oui, il faut pas l'activer. Non. Ça. Et une phase. Bon, on a un negate magie. Ouah, trop bien. Et... Pouah. Excavate est top 5 de votre deck et si vous devez ajouter un excavé crawler monster. Nanana. On va gagner. Ah, si, je joue fan. Ouais, t'as joué fan. Wouah, y'a baguette. 42, 43, 40. Beaucoup. Baguette. Baguette, c'est un mox play, c'est ça? Je sais pas. On va dire. Dans le doute. Ah. Fort. Assez fort. Et... au cimetière. Je sais même pas c'est qui à mettre. C'est un Orcus? Non, c'est que du World Legacy Orcus. Un Orcus? Pas dire World Legacy Orcus. Orcus. Ouais, si, c'est un monde qu'au World Legacy. Mais... Legacy. C'est beau, la dot synergie de partout. De toute façon, on est sur la partie Orcus. Comment ça, baguette encore? Comment ça, je me suis fait enculer? Et je me suis fait baiser là. Si je me suis fait baiser. Je sais pas qui je dois envoyer, j'en sais rien. Je... Allez, sort deux gars qui savent pas jouer leur archétype. Hein, on va dire. Non, ça va, de la théo. Puette, très bien. Poufias. Il a combien de 3005? Tu le sais, tu le joues l'archétype. Ouais, rien de passé. Hein. Connaisse. Oh non, 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 non. J'ai perdu 5 balles. J'ai mis Babel, très bien. Et grâce à ça, c'est que des magies. Ah oui, Babel, non, 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 Babel, je peux. Ah, c'est dégueulasse. Passe. Babel. C'est rapide. On va l'enculer, hein, mais c'est rapide. C'est une fois par tour ou quoi?
Ça se contrôlait une pierre douce, pour ça. C'est embêtant, j'avais une main un peu dégueu quand même. Un tuner niveau 1 qui peut servir. Oui, le pas. Oh, Lingersou. Moins utile. Ah, il a tout niqué. Il a niqué l'archétype Orcus. Mon token. Connard. Ah, je peux pas, c'est token. Oh merde. Orcus Rion. Ah, il y a des moyens. Encore moins. Hein. Réfléchis. Réfléchis. T'en as plus là, tu viens de te niquer tout seul. Tu peux pas attaquer direct mais... Non. Ouais, il va attaquer direct. C'est Lingersou qui attaque direct. Ah, t'es mis une balle dans le pied là. Il y a encore moyen. Trop tard. Il me donne la game, c'est gentil. Oh, bah en plus, je chope ça. Très bien. Alors, c'est compliqué. Je pense que je peux m'amuser à bien le baiser. Toki toki. Ok. Oh. Oh. Oh oui, il est hein. Y a pas un... Ah si, il a explosion au total. Ok. Je peux même pas le mettre en dé. Activer son effet. Ouais, je peux activer son effet. Faut que je pioche une pierre. Je me débarrasse des petites merdes. Faut que je me débarrasse de la piège aussi. T'es là, très bon deck, deviner avec son deck dino. Oui, ça, ça fait longtemps donc. Là, si je fais ça. Donc les cartes et là je lui nique tout son board. C'est ça. Waouh, c'est trop fort Adam Montia. Waouh. C'est bon hein, je peux surrendre. Oh ouais, là j'ai un putain de truc là. Ça va être un Montia. Même un débutant c'est le jeu. Encore je fais des misplays aussi. Je ferme. Activez votre effet. Ok. Faire un deuxième coup. Ouais, pour ne pas chercher qu'un fois. Un truc. On va bien remettre correctement. Ah, oh, j'ai fait une misplay. Que je pourrais faire partir sur ça et une face. Ouais, le but c'est ça, Mangrette protège des faits et lui empêche les MP. Rebabel. Rebabel. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il retourne. But. Je joue mal, hein, je joue mal aussi. Babel, on va negate. Je peux
Ce concept, ça a rien. Ouais. Ah ouais, dans mon voiture, il joue un... Alors, un Orcus, par contre... C'est pas un Orcus, un... World Legacy, pardon. World Legacy. Je joue cette version. Ah, je peux... Enlever ça en fait pour l'instant, c'est pas encore assez. On faut voir aucun. Ouais. Oh. C'est ça qui est plus. On va rester comme ça pour l'instant. Ah bah je perds mes droits d'auteur. Je peux pas jouer, oh bah c'est cool. On va avoir une main, on va bien s'amuser tous les deux. Super. Et la pire compo. Pardon, les 5. Ah, qui pourrait partir sur un World Legacy avec Baguette et envoyer tous les Orcus au cimetière avec cette carte. C'est vrai que c'est très fort. Là, il peut jouer tranquille. Oh, c'est pas mauvais, hein. Bon Orcus pur. Ok. Idylle. Braguette. Donc il y a de l'Orcus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de World Legacy. Il est parti sur tous les World Legacy possibles. J'ai pas vu Lance, j'ai pas vu Bouclier. J'ai pas vu Calice. On est clairement dans la grosse merde, hein. J'ai envie de dire. Il y a moyen de me désinguer, là. Allez, hein. Avec Snap, ça sera peut-être mieux. Return. C'est quoi, c'est Saint d'un Orcus Monster depuis un peu plus. On va s'en débarrasser. C'est dangereux ça. Moi c'est pas Babel donc ils sont bien. J'ai envoyé boost d'attaque. Bon. On va voir qui. Ah, le qui est gratuit. Plus je te donne 1000 PV en moins. C'est gratuit. Un Raka. Yeah baby, oui, ouh, oh. On a envoyé Puette, ça veut dire qu'il a un gros ton en main. Allez. Ok. Ça c'est ma... c'est la brique en main. Deux briques. Et une que 3. Oh, si t'as 5 balles. Allez, 5 balles, t'as gagné. Allez, 5 balles, t'as gagné. Il manque ta 5 balles et pouet-pouet. Ah, 5 balles, pouet-pouet. Sauf que 5 balles, je crois que tu l'as déjà activé. Mais 5 balles, pouet-pouet. Non, je sais pas quoi faire. C'est vrai. Allez, pouet-pouet. Et ce demi-surprise, allez, boum. Vas-y. Mon anus qui est bien grand ouvert. Ça, après, ça se fait plus gros. Tout. Problème de droit d'auteur. Ah, on a changé, heureusement. Et on a fini la musique, donc j'ai vraiment un problème de droit d'auteur. On est sur une musique d'ailleurs qui va spoiler un petit peu ce que je vais faire après derrière. Fin de battle, ouais, c'est bon. Et back. Fin de main phase, end phase. Je vais le faire maintenant. Prends le risque. De toute façon, c'est tout pour le tout. C'est crescendo, dis-moi que c'est crescendo. Pas crescendo. Il n'y a pas de crescendo. Voulez-vous chaîner une carte? Attends, j'en avais toujours chaîner.
Ouais, on va. Je vais vérifier ce que j'ai. Rotation de plateau. C'est hardcore, hein. Ce que je fasse. Les deux ne marchent pas, hein. Ah, peut-être que. Ah, c'est chaud. C'est chaud, il me reste 1400 PV. 1400 PV, je peux pas jouer, là. Mais bien sûr que si. Non, je peux pas jouer du tout. On va tenter. Prends le risque. Je vais savoir si j'ai un bon gros link qui peut gérer la situation. Alors, on a une machine ténèbre ou une machine ténèbre. Je crois que Mingers, c'est ce qu'il y a mieux à prendre. Et ça sert à rien, GG à toi. Deux pots d'avarice en main, je peux pas jouer. Hein. Oh. Ah bah ça m'a niqué. Hein. Non, toi j'ai pas du tout de crescendo, j'ai rien de tout ça. J'ai même pas Zingersu, j'ai rien de tout ça. On va essayer de jouer le site comme ça et puis c'est tout. On peut pas jouer. C'est dommage parce que ça pourrait être fort. On va jouer en deuxième. Ouh. Bon alors là. Oh là là, il y a baguette. C'est quoi ça? Les baguettes et couronne. Super Kay. J'ai un max play. Une épée. Wow. Hi, do you speak English? It's hard for me to speak English. I can, but I am so limited. I wouldn't watch this game, but only in English. Ah, sorry, but this live is only French. I will speak French. But the card effect is white in English. Je discarde pour faire quoi en vrai là? Quoi ça? C'est même pas un Gear Spring Spirit. Je connais pas. T'inquiète, y'a rien à comprendre avec mon deck. Tu l'as pas encore compris. Salut, it's Marlon. La lib. La partie Orcus n'est pas là, hein, côté World Legacy. Mais c'est un World Legacy pur, hein. Je pense que j'ai une chance. Sur baguette du coup. Par en plus. Oh lolo. Ça dépend. J'ai un truc qui peut. Pédale. au niveau de ça, j'ai rien du tout. Hein. J'ai ou rien. Attends, je sais pas si je peux faire un truc moi. C'est pas facile. J'ai au moins un truc pour. Rien du tout. Même pas un. Un gros niveau. Hein. Y'a rien du tout en plus, moi. Enfin, c'est un petit truc, allez, un tout petit. Niveau 1. T'as pas un chercheur, un truc comme ça, tu vas me dire. Non, j'ai rien. J'ai pas venir en main. C'est quand moi je voulais des trucs comme ça. C'est cool, t'es que t'en fais, là. Puis vrai. J'ai pas mis pupute aussi. Ah, ok, ouais, donc. Ah ouais, ouais. Je joue sans pupute. Tente, ouais, hein. Bon. Ça va être dur, hein. Ouais. C'est quoi, on va partir sur ça. Déjà vérifier si on a un truc beau. C'est quoi ce truc? Faut par toi, on pouvait target un face-up monster à un moment, son attaque devient 0 jusqu'à la fin. Faut pas jouer. Rien du tout. T'as un link. Excuse-moi, mais. Paralysé. Hein. Tentez ça. Hein. Pareil.
T'es la chula d'aventure, sérieux, rien. Bon, arrête, est-ce que je peux, hein? Et avec Edo Pro, j'ai du temps, donc... Ça fait Orcus 1, ok. Ib. Ah. Revoir Legacy. Wow, c'est mal ça. Ah bah finalement il y a lance. Donc bouclier, on est pas tout. Enfin, par contre t'as pas tué un zéro monstre Orcus. Je te dis. Ouais ouais ça. Ça send. Okay, on va le tenter. Hein. Mais... Ouais. Hop. Deux. Pas de hache. Rien du tout. Double transac. Ah non, mais encore baguette quoi. Arrêtez. Et un Orcus, ça y est, la connard. Oh, ça va faire mal ça. Prochaine fois, je le mettrai de terrain parce que. Là, je peux. Peut-être lui. Non, tu peux pas. Toujours sous Khaled. C'est bien. Oui, il a 5 balles, il a plus de poulette, il a tout là. Heureusement qu'il maîtrise pas. Et heureusement, il maîtrise pas. Battle. À 2003. Sodomie surprise. Ouais, après tu vas envoyer un monstre rock. On va envoyer. On va pas le choix, on va envoyer une analyseur. On est bien là. What? Au cas où j'ai pas d'autres chercheurs, je vais pouvoir l'invoquer SP et. Et joue avec, j'ai pas le choix. En fait, mon mind control il marche pas du tout. Quoi que y a un. Ah, c'est un niveau 4 petit. Oh, fais chier! Oh, fais chier! Lingersu, très bien. Lib. Ça va, j'ai toujours de quoi faire à la synchro. Donc, quoi qu'il advienne, j'ai de quoi faire à la synchro si me laisse faire. Ah, il a gerté mon terrain. Pener. Et ça c'est bon. J'aime bien les misplays. Vive les misplays! Vive les misplays! Hop, on renvoie dans le deck, très bien. Oh, tu me le fais ou pas? What? C'est. Eh, pâti mon monstre! Méchant! Ah non, il part sur Orcus Trillon, il est trop con! Mais Arden, hein. Carte face cachée, il peut pas l'activer parce que... Ah non, il y a mon terrain qui est parti. Ouh. On rejoint un petit peu, ça c'est cool. Je peux faire Monster Reborn. On a un Rock Tuner. Il faut que je contrôle un Adamantia que... Faut que... Norme ça. Et lance. Je peux activer quand on est testé. Activer l'autre effet. 3, 4. Putain, j'ai pas de cul. Et un Doki Doki. J'ai un Ok SP Doki Doki. Les autres, coup de l'or.
Alors, est-ce qu'il est tuneur, lui? Il est pas tuneur. Pas tuneur. Fasse gaffe. 4, 5, 6, 7, 8. Non, je peux le faire direct, le gros. Pas sur le gros. Obspé. Edgo. Ouais, je peux partir sur le gros. Parce qu'il m'empêche de jouer le gros, en fait. Je peux aussi partir sur lui. Je pense que je vais rester sur le gros. Pas très fort. Et... j'en ai eu un. Ok. What the fuck. Mec, c'est la première fois que je vois ça. Ah, j'ai pas de cul, ça me saoule. Mec, ouais, mais ton deck il est trop... Ah ouais, attends. Ah, mais quand on a pas de cul... Qu'est-ce que je peux hein en top deck là? Et pas facile. Utiliser Babel. Non, parce que t'as ton terrain que tu vas te débarrasser. Mais sous rotation de plateau. Et autre avantage. Ink Kulibo. À gérer. Sodomie surprise. Ouh, je sais. Oh, okay. Ah, je peux récupérer Adamantia du coup. Si je fais ça, récupération Adamantia, comme ça, il est, quand il active Bobet, je pourrais le mettre. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Alors que j'aurais du cul quand même. Non, on va pas négliger ça. Hein. De toute façon, ça te booste pas. Donc... non, mais je vais pas négliger une magie qui. Ah, ça oui, je négate. Ah, tu m'as niqué mon plan. Bah, ben, c'est trop fort. Ah. Je vais pas te laisser. Donc, succession. Phase 2. Rocus. Oh là là. Allez, top deck, on est bien là. Ah si, je l'ai. Ah bah putain, il t'en a fallu du temps. Oh la vache. C'est quoi, laisser ça à une explosion ensemble. Ah ouais, putain, c'est deux rounds que j'attends. Oh putain, nique ta mère, le deck. Nique ta grande race. Oh là là. Futur cycle. Oh, ouais, j'ai ça, c'est quoi ça? Durant la une phase actuelle. Ça sert à rien, il va disparaître. Ouais, moi je vais faire, je suis je vais spé. Parle legacy. Ok, pendant ton tour. Un truc qui négate alors, c'est ça. Je... ouais, en fait, il me manque clairement un truc sympatoche. En fait.
Je vais t'invoquer Spree, 2, 4, 5. Pas de jeu, ma carte. On va pas au cimetière. Belle. Merci. Et la lose, c'est la lose. Et la défaite. Je peux pas gérer. J'ai mis plein un truc. Pour tous les culiculis que tu m'as fait, je te culiculis. Non mais je perds sur un top décraté quoi. Enfin, une escape écraté même. Bon, les Lingersou, pas où j'attendais. Bon, c'est long le match-up. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai détaché pour annuler la destruction de World Legacy et World Crow. Voilà. Champion. Il manque un truc, mais y a pas, parce que j'ai pas de ce qu'il faut. En fait, j'ai une carte en main qui sert à rien pendant deux rounds. Je sais pas ce que c'est quoi. Mind Control. Tu joues des Dragon Block? Non. Regarde le nombre de terres que j'ai dans mon sim. Il faut bannir des monstres terres et je peine à en avoir. Hein. Et c'est pas comme si j'avais 3 Doki Doki. Avoir ça. J'adore les briques. J'adore les coups. Il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs, mais comme ils maîtrisent pas le deck, ben ça sert à rien. Ils battle comme un. Et des battles de Pekno. À 31 cartes, il faut que je top deck un truc. Escalate. Il y a un truc qui permet d'invoquer Spé du Legacy. C'est le beau deck. Ouais, je top deck qui tout double, GG. Mais qu'une fois dans le deck, faut que je le pioche sur les 31 qui me restent. Ça pouvait pas être Escavate, non, du tout. Bon, allez. J'arrête de jouer, je te regarde. Ouais, ouais, je fais une petite pause. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, sinon on se retrouve déjà demain, je crois. Demain pour le Minecraft, logiquement. Je vais aller voir la maison de soi et je dois continuer mes petits trucs là. J'ai plein de trucs à faire à l'extérieur du coup. Maintenant qu'il n'y a plus de montagne, ça fait du bien. Et j'ai aussi la forge à faire et bientôt ma chambre que je vais pouvoir faire. Ensuite, sinon, on se retrouvera samedi pour notre séance hebdomadaire de souffrance. Enfin, hebdomadaire pour. Enfin, souffrance pour moi, pardon. Et bonheur pour vous, puisque c'est la séance de Mario Maker 2. Et justement, le prochain truc que je dois faire, c'est le niveau proposé par Araka la semaine dernière. Et j'en ai d'autres, j'ai encore un monde à faire et tout. Je crois que j'ai à peu près 2 niveaux et un monde. Donc j'ai encore de quoi m'occuper samedi. On se retrouve sinon lundi pour la suite et probablement la fin des aventures de Luigi's Mansion 3, la chasse aux gemmes. Je pense que je vais essayer de finir lundi soir. Ça, ce sera réglé. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'OTK Live, mais ne quittez pas ceux qui sont encore là ce soir. J'ai justement le petit truc à faire pour la chaîne Utopia Rainbow. Voilà sur ce pour le YouTube et tout. Je vous dis bonne nuit, plus. Tchuss, c'est Jean.